Souhaitez voir plus de vidéos et par la même occasion soutenir votre programme favori? Il est désormais possible de devenir membre premium du Faux Conscience pour seulement 4,99€ par mois avec annulation possible à tout moment. Avec cette offre, vous aurez accès à toutes les émissions 15 jours avant tout le monde, mais aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir d'anciennes émissions, des vidéos inédites qui ne seront jamais rendues publiques et bien d'autres avantages. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend en devenant membre UFO Conscience. Donc le phénomène OVNI se montre, il y a des atterrissages, on montre des entités, il y a des vagues aussi. Le phénomène, si tu veux, j'essaye de replacer toute la phénoménologie ou, comme disait Gilles Pinon, la sémiologie du phénomène OVNI dans quelque chose qui est plus vaste, si tu veux, avec l'idée que en fait, au départ, il y a eu une préparation qui a commencé, bon, grosso modo, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc, qui a duré à peu près jusque dans les années 2000. Donc, il y a eu toutes ces vagues d'OVNI, ces apparitions, les vagues de 54. Il y a eu beaucoup de RR3. Alors, des RR3 parfois complètement loufoques, avec des personnages un peu bizarre, qui avait avec des scènes grotesques d'ailleurs, avec Et je pense que tout ça correspond à une phase préparatoire. Jusqu'au 10 décembre 1945, ce seront 240 avions militaires qui survoleront la zone où l'on suppose que le Mariner et les Avengers ont disparu. Ils seront aidés en cela par une flotte conséquente de navires de surface, en l'occurrence 4 contre-torpilleurs, 18 vedettes de garde-côtes ainsi que des sous-marins. Viendra à la rescousse également un porte-avions qui est le SS Salomons et 70 avions sur le porte-avions. Donc tout cela, enfin une bonne partie vont décoller pour faire les recherches. Se joindront à toute cette escouade des avions britanniques de la Royal Air Force. Il faut savoir que les Britanniques ont deux bases dans le coin, une aux Bahamas et puis une autre à la Jamaïque. Donc il y a des avions qui vont venir et qui vont rechercher aussi. Je ne parle pas des avions privés. Qui vont également survoler la zone, les yachts de plaisance qui vont quadriller le secteur. Bon, on aurait pu avoir un autre accident tellement il y avait de monde dans le ciel et sur la mer. En tout cas, durant les semaines et les mois qui vont suivre, on va surveiller de partout les flots, on ne verra rien. On va surveiller également les plages. Vous savez qu'avec les courants, souvent les bouts d'épave, les jets de sauvetage et tout ce qui flotte peut revenir s'échouer. Et là, ni sur les plages de Floride, ni sur celles des Bahamas, ni même d'ailleurs, on ne retrouvera rien. Pas trace des Avengers, pas trace du Martin Mariner. Ce seront ainsi 6 avions. Et 27 hommes d'équipage qui se seront brusquement évaporés ce jour-là, en plein cœur du triangle des Bermudes. Alors comment il s'est fait le rapprochement et comment le constat s'est fait? Il s'est fait sur d'autres éléments. Je suis parti d'un premier cas, un cas où une matière, c'est le cas qui s'appelle, c'est le cas fondateur de la théorie, qui s'appelle le cas Empire Ohio, qui était un cas que j'avais trouvé sur le site OVNI USA, et on avait un engin qui récupérait une masse, alors qui m'a tout de suite, comme moi, par contre, moi je cherchais, il me supposait une question sur le fer, voilà. Et je cherchais, et ce premier cas m'est tombé sous le nez, et m'avait interpellé parce que c'est un engin qui récupérait une masse de quelque chose au-dessus d'une colline. Si vous aimez ce programme et que vous voulez que ça continue le plus longtemps possible, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre et profiter dès maintenant d'un large contenu uniquement pour vous, soutien de cette chaîne. Woody, bonsoir. Bienvenue à toi dans mon émission. Merci de m'accueillir. Ce soir, tu vas nous parler d'une affaire qui vient de ressortir des cartons d'archives, puisqu'il s'agit plus exactement d'une photo d'OVNI, le cas de Calvin qui s'est produit en Écosse au mois d'août 1990. Tu vas également nous parler de quelques cas de survol d'école au Royaume-Uni, puis tu viendras chez nous en France, ou du moins en Algérie française dans les années 60, pour nous parler d'un cas OVNI pendant les fameux essais nucléaires. Un beau programme qui nous attend. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs? Alors, voilà, bon, moi, mon pseudo, c'est Woody. J'ai 50 ans cette année. Je suis infographiste de formation.
Je travaillais pendant quelques années dans les laboratoires pharmaceutiques. J'ai été militaire aussi dans une autre vie. J'étais dans un site qui s'appelait le Commandement de la Doctrine de l'Entraînement, sur lequel on avait, qui se trouvait à côté de Metz, sur le château de Mercy, le site du château de Mercy. Sur ce site, on avait la brigade de renseignement et de guerre électronique, le bureau des doctrines et systèmes de commandement et la commission nationale d'évaluation artillerie solaire, entre autres, qui permettait de voir pas mal de matériel avant qu'il soit déployé dans les unités, qui était en fin de validation, qui sortait des ateliers de Thalès, etc. Donc c'était intéressant, on avait 4 accréditations à l'époque, confidentielle défense, secret défense, secret OTAN et secret défense spéciale France. On était pendant la période du conflit en ex-Yougoslavie, où la France était intégrée dans le pacte OTAN, mais je crois qu'on n'est pas encore dans le commandement de l'OTAN, puisque c'est Sarkozy qui nous a fait revenir dans le pacte OTAN, mais on est intégrés, et voilà. Donc c'était un peu plus, c'est une autre époque. On en a parlé hors antenne, mais maintenant on n'a plus que deux types de secret défense et secret défense et très secret défense en France. Mais à l'époque, on a des accréditations à peu près pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, on faisait pas mal de trucs, mais en réalité, rien qui avait trait réellement aux ovnis. Par contre, le fait de rester en contact après avec le monde militaire et un peu plus tard avec des blogs de défense, auquel j'ai participé de manière informelle pendant une dizaine d'années, m'a permis de garder en fait un œil sur la technologie qui est faite en Europe, en France. On a parmi des leaders mondiaux en technologie comme Thales, Astrium. Donc Thales fait beaucoup d'optique, des satellites, des systèmes qui sont intégrés au Rafale, dans par exemple le système Spectra, qui est un système en fait d'évitement de conduite de tir extrêmement performant. On a aussi tout ce qui a trait aux optroniques secteurs frontaux, c'est-à-dire le système de poursuite vidéo des avions. Et Astrium, qui fabrique en gros les missiles nucléaires français qui sont intégrés dans les sous-marins lanceurs d'engins de la Marine nationale, qui sont notre assurance vie. Et donc, grâce à des contacts avec des marins, des aviateurs encore aujourd'hui, ça m'a permis de savoir ce qui se faisait en termes de technologie au plus haut niveau de projet. Je crois qu'aujourd'hui, grâce on va dire au renseignement français, je crois qu'Alain Juillet, ex-directeur de DGSE, qui a beaucoup parlé sur les ovnis récemment, a fait pas mal de vidéos où il explique de toute façon qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ne connaît pas, y compris dans les projets en développement, chez les Chinois, chez les Américains. On est très performants en renseignement, on sait à peu près ce qu'ils font. Eux savent très bien ce qu'on fait aussi. Donc, voilà. Et donc, on est dans un cadre, nous, qui nous intéresse, où on est en fait mis en présence de technologies, visiblement technologies, qui ne sont pas issues d'un domaine connu ou d'un ensemble géographique connu. C'est-à-dire que nous sommes mis en présence de phénomènes, et aujourd'hui, on le sait parce que ça se précise, on est dans une période un peu bénie des dieux en ce moment, où des renseignements autrefois classés secret défense, ou même dont les pays comme les États-Unis, mais pas que, les Anglais, même nous, disons que ça n'existait pas, mais ces documents qui étaient censés ne jamais exister font surface et sont validés. C'est d'ailleurs, les gens disent oui, non seulement c'est vrai, mais en plus on étudie le phénomène, on a un problème parce que nous non plus on ne sait pas vraiment ce que c'est, ou on a bien une idée, mais voilà, c'est un peu tendu, quoi. Donc c'est toujours intéressant quand on a, dans le cas de Calvine, qui nous intéresse, Calvine qui se trouve en Écosse, à côté de Pitlochry, c'est un endroit de lande désertique qui rappelle un peu le livre de Arthur Conan Doyle, Le chien des Baskerville. C'est vraiment, on se baladerait avec son manteau en tweed et sa canne dans le milieu des herbes sèches et des petits loques un peu partout. Donc, on a un cas qui est évoqué au tout début, on va dire dans nos milieux des années 90, par un homme qui s'appelle Nick Pope, qui est un Anglais, qui était militaire au sein du ministère de la Défense britannique et particulièrement du ministère occupé des opérations aériennes et des cas, on va dire, pendant, je crois qu'il était 11 ans ou 13 ans, je crois, au ministère de la Défense, et pendant 3 ans et demi à 4 ans dans un bureau qui est spécifique au phénomène aérien non identifié. Phénomène aérien un peu une sorte de GEPAN à l'anglaise, on pourrait dire.
sauf que le GEPAN est semi-civil, ou plutôt civil d'ailleurs, c'est pas militaire du tout le GEPAN. Le GEPAN a un contrat de coopération avec la gendarmerie nationale, qui elle est un domaine militaire. La gendarmerie d'ailleurs a des formulaires spécifiques dans les gendarmeries de prise de témoignage pour les cas OVNI, qui a été élaboré en partie par le GEPAN, et donc en théorie les gendarmes ont la procédure pour les cas OVNI. Ils sont assez peu formés sur ces procédures, parce qu'ils doivent en avoir un tous les 10 ans par gendarmerie, mais ils sont, en théorie, ils sont équipés pour prendre les cas OVNI avec des formulaires de situation, avec voilà, azimut, etc. Enfin, tous les trucs sont marqués dessus, et c'est du... pas militaire, mais cependant qui dépend de l'État, du CNES, Centre National d'Études Spatiales, donc voilà, c'est... Ça a été fait par Power, je dis pas de bêtises, c'était sous De Gaulle où ils avaient l'idée déjà de faire un pré-GEPAN, c'est-à-dire de faire un organisme français qui s'occuperait des cas OVNI. Et d'ailleurs, on va revenir sur un des cas dont on va parler ce soir, qui est un cas qui s'est passé à Amaguir. Donc Amaguir était comme Reagan en Algérie, donc dans le Sahara algérien, un cas où on a eu des témoignages qui ont été enregistrés de gens qui étaient sur des sites classés secret défense et qui s'occupaient des essais nucléaires français. Donc c'est tout un sujet, mais ces cas qui se sont manifestés, on va dire, auprès de sites nucléaires militaires, j'aurais tendance à dire encore une fois, là aussi, ce sont des cas typiques OVNI de manifestations visiblement d'objets et qui ont été enregistrés sur des matériels extrêmement performants de l'époque. Donc, on a pourquoi faire on va évoquer ces cas et puis un cas aussi avec le fameux Mirage 4 en 77, parce que on a, nous, l'armée française qui est équipée de matériel, on va dire, ultra performant, et aussi de matériels qui sont un peu différents des matériels civils. C'est pour ça qu'on va aussi évoquer les différents types de radars qui sont utilisés par le domaine civil et le domaine militaire, qui ne sont pas du tout les mêmes, et les bandes de fréquence utilisées par les radars, qui sont parfois utilisées pour visualiser de l'avion de ligne civile, mais pour visualiser parfois des avions militaires, et donc des furtifs, qui sont, on va dire, ce qui se fait mieux aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les avions de cinquième génération, ça c'est une nomenclature américaine qui est un peu spécifique aux Américains. Ce sont des avions qui sont en théorie peu visibles au radar, y compris militaire, et donc on développe, et maintenant on a développé des radars qui fonctionnent sur des bandes de fréquences différentes qui permettent de voir en fait ces fameux furtifs. C'est la technologie actuelle. Nous avons mis quelques années à développer des contre-mesures pour des avions dont les Américains étaient leaders pendant un moment, qui n'apparaissaient pas au radar. Donc on peut aussi faire le parallèle avec des ovnis qui n'apparaissent pas au radar. Et si effectivement, comme semble le supposer, on va dire, les chancelleries occidentales, ce sont des appareils solides, manufacturés, obéissant à une intelligence qui n'est visiblement pas encore identifiée, ces engins peuvent avoir une technologie, surtout si l'intelligence, quelle qu'elle soit derrière ces engins, est très en avance sur notre civilisation humaine connue. Si effectivement ils sont très en avance, on peut imaginer, un, que ça peut expliquer pourquoi on a beaucoup de mal à avoir des documents vidéo et photographiques de ces engins, puisque nous, déjà, avec nos avions de chasse actuels, on arrive à ne pas les faire apparaître sur des radars, à les rendre invisibles au système de détection infrarouge ou par micro-ondes. Donc, on a des systèmes, par exemple infrarouge, vous avez des détections infrarouges, si vous avez un avion de chasse, vous avez des systèmes de refroidissement des gaz chauds qui sortent des tuyères des réacteurs. Donc ce sont des gaz qui sont injectés, une bonbonne, alors ça dure un court instant, mais ça va refroidir suffisamment les gaz en sortie de réacteur d'un avion de chasse pour que l'autodirecteur infrarouge d'un missile ennemi soit trompé et ne voit plus en fait la source de chaleur. Vous avez ce qu'on appelle des shafts ou des flares, ce sont des artifices qui sont lancés depuis, on va dire, autour des réacteurs de l'avion, en général en queue sur le rafale, qui vont envoyer comme des feux d'artifice avec une source de chaleur intense qui va être beaucoup plus chaude que le réacteur de l'avion et donc va dévier
l'autodirecteur infrarouge du missile ennemi sur un leurre. Donc, nous, aujourd'hui, on met en fait des tactiques de dissimulation, des technologies de tromperie des systèmes ennemis. On a des peintures, ce qu'on appelle RAM, radar absorbant matériel. Donc, ce sont des peintures qui absorbent les ondes radar. On a des avions avec des coques faites en angle qui vont dévier les ondes radar, mais pas dans la bonne direction. Un radar fonctionnant un peu comme une oreille de chauve-souris. Par exemple, vous envoyez une onde, l'onde est réfléchie par un objet solide devant, et si elle n'est pas réfléchie par un objet solide, elle va se perdre dans le vide. Donc en fait, l'objet solide va vous renvoyer l'onde, et si vous envoyez suffisamment d'ondes, vous allez couvrir entièrement l'objet, et le radar va vous renvoyer une imagerie 3D de ce que vous avez en face de vous. Donc vous saurez si c'est un avion, si c'est une oie, ou autre chose. Alors là, je dois dire que ce soir, on est servi avec tout ce que tu nous dis par rapport à l'armée française, parce que justement, je voulais un moment te couper, mais je t'ai laissé parler, continuer. Hein. Et je voulais te poser une question toute bête, toute simple. Comment se porte l'armée française après l'avoir quittée au milieu des années 2000, début 2000, puisque j'étais à l'armée de l'air? Mais c'est vrai que je n'ai plus suivi du tout en fait, l'état de l'armée, hein, dans quel état elle était. Et apparemment, là, tu nous cites, tu nous racontes une armée qui se porte à merveille, une armée française qui se porte... C'est qu'on est parmi les meilleurs du monde dans des tas de technologies. Thalès est leader mondial dans des tas de technologies. On a l'avion Rafale en France, c'est une état de merveille. C'est pas galvaudé de le dire. C'est le meilleur avion de sa génération. C'est l'avion qui sait tout faire. Et voilà, il n'est et pas... Et qui est malheureusement, pourtant, malgré lui, très critiqué, puisque très peu vendu dans le monde. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il vaut cher, peut-être? Est-ce que c'est son prix qui fait qu'il n'est pas assez vendu dans le monde, d'après toi? À se vendre un peu tellement bien qu'on a du mal à les produire, parce qu'il faudrait agrandir les usines. Là, les contrats s'enchaînent aux grandes dames des Américains qui font tout pour torpiller l'industrie de la défense française et européenne, puisque eux veulent que les Européens n'achètent qu'Américains. Donc, ils ne veulent absolument... Alors, on pourrait dire que ça s'enchaîne depuis peu, parce qu'il y a eu quand même une période avant, là, il y a, je ne sais pas, on va dire... 5 ans en arrière, c'était pas trop ça, hein. C'était pas du tout vendu, quoi. C'était pratiquement aux oubliettes, sans exagérer. Ah, le F1, F2, là on en est F3R, je crois. Ou F4, je crois, mais F3R ou F4, je sais plus. En fait, à chaque fois on améliore. Là, on a un radar électronique qui est un AUSA qui est extrêmement performant. On a des systèmes d'intelligence artificielle au milieu de l'avion qui sont très très performants. Ah. Quand on arrive en RF5, en fait, on enverra des escadrons de drones qui seront en communication avec le Rafale. On a des communications qui pourront plus être... Puisque, par exemple, maintenant, les communications, comme pour les sous-marins, se font par laser bleu. Les lasers bleus sont des faisceaux laser qui vont directement de l'avion jusqu'à un satellite qui se trouve en orbite et qu'on ne peut pas hacker, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas les capter, ce n'est pas des ondes. Et on ne peut pas les brouiller. Donc pour toi, Woody, le Rafale, c'est un des plus, comment dire, des meilleurs appareils du monde. Dans sa catégorie, c'est le couteau suisse, c'est l'avion à tout faire, il est capable de tout. Il peut faire, il peut aller faire du renseignement, il peut faire du bombardement, il peut faire de la pénétration en territoire ennemi sans aucun problème. Il peut aller déglinguer les systèmes électroniques en territoire ennemi, il peut faire du bombardement nucléaire. C'est vraiment... Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Par exemple, les avions américains sont souvent assez spécifiques à un type de mission. Le F-22 américain, qui est une véritable fortune, qui est un furtif de 5e génération. On considère que le Rafale est un 4.5. Le F-22, c'est un avion qui... fait de l'interdiction en fait de territoire. C'est en fait un avion qui est fait pour protéger le territoire américain. Il avait été développé pour la guerre froide, la Troisième Guerre mondiale n'ayant pas eu lieu contre les Russes à l'époque où ça risquait de péter. Cet avion a été développé à très frais pour pas grand-chose au final, mais ça a appris beaucoup de choses aux Américains, et en particulier sur la furtivité. Donc tout le monde s'est mis au diapason. Et grâce, on va dire, aux nouveaux radars, particulièrement les radars de type électronique, Scanadar, c'est-à-dire les AESA, on a aujourd'hui des matériels, que ce soit dans la marine, qui utilise aussi des gros dômes AESA ou des radars plats, et les radars à balayage électronique de l'aviation
occidentale. Non, les Chinois s'y mettent un petit peu, et les Russes, mais ce n'est pas encore trop ça pour eux. Ils sont beaucoup de retard, parce qu'ils ne savent pas faire des comme nous on fait. Woody, est-ce que tu pourrais te mettre un tout petit peu sur ta gauche, bien centré, voilà, parfait. Ce que je voulais dire, c'était aussi par rapport à ce que tu disais là. Oui, alors j'aimerais savoir aussi, alors puisqu'on déborde un petit peu hein, ce soir, là, en commençant, on déborde un petit peu sur les avions. Bon, on ne va pas faire une émission sur les avions, rassurez-vous, hein, pour ceux qui écoutent. Mais j'aimerais quand même... Performant et qui commence aujourd'hui, bon, les Américains commencent à avouer qu'ils commencent à capter des trucs qu'ils ne captaient pas il y a encore 10-15 ans, parce qu'ils n'avaient pas encore la technologie. Ouais. Et avec ces nouveaux systèmes... On a eu bah, l'affaire du Golfe du Mexique, avec les fameux tic-tac, ces trucs-là, où peut-être ils n'auraient pas été détectés, les tic-tac étant un véritable problème, et ça nous ramène au cas de Calvine, puisqu'on y revient à Pete Lockery, où on a tout un ça, engin... Tout ça est lié. Alors, avant que tu commences avec ça, tout ça est lié, j'ai quand même une question qui me trotte dans la tête, ça. Que valent les fameux B2 et F-117 américains, là, ces technologies que l'on pense issues d'une technologie très avancée, voilà, j'irai pas plus loin, mais pour toi, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est du vent ? Est-ce que c'est du flan ? Parce que c'est vrai que c'est beau à regarder, hein, c'est très beau, voilà, mais qu'est-ce que ça vaut ces trucs-là ? F-117, c'est un avion qui a été développé pendant très 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 longtemps, qui est un truc déjà très ancien, qui a été un des premiers avions à coque furtive. Donc on voit ces plans un peu non euclidiens, avec des angles un peu partout. Ça permet de dévier dans tous les sens, mais sauf vers l'antenne émettrice, les ondes radar. Ça permet en fait de ne pas être détecté, de ne pas faire renvoyer au radar qui envoie une onde pour détecter un appareil ennemi, ça permet de la dévier, mais dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion est théoriquement indétectable. La peinture noire contient aussi des peintures qui absorbent les ondes radar, etc. C'est des avions qui sont des briques volantes, qui ne sont pas du tout faits pour, par exemple, la chasse, le dogfight ou l'interception. D'ailleurs, le F-117 est un bombardier, ce n'est pas un chasseur. Il a l'air d'un chasseur, mais ce n'est pas un chasseur. C'est un bombardier qui pouvait emporter que très peu d'armes. Mais à l'époque de la guerre du Golfe, il a survolé Bagdad et les Irakiens n'ont rien vu. Les Irakiens avaient beaucoup d'argent grâce au pétrole et avaient pas mal de matériel russe de détection. Et effectivement, ils n'ont rien vu. Le problème, c'est qu'à part l'Irak et un peu plus tard l'ex-Yougoslavie, où les F-117 ont été déployés, c'est pareil, les systèmes russes en Serbie ou au-dessus du Kosovo ne voyaient rien du tout, donc les F-117 avaient leur utilité. Ils ont été opérés très vite. Aujourd'hui, les F-117 sont bons pour le musée. D'ailleurs, la seule fois où un F-117 a été abattu, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a eu qu'un seul abattu, c'est en fait parce que les Américains, forts de leur confiance dans l'appareil, ont fait voler les appareils tout le temps sur le même plan de vol pour aller bombarder des cibles au-dessus de l'ex-Yougoslavie, et donc des gens qui étaient dans le camp ennemi, tout simplement, la nuit, avaient des guetteurs, et se sont rendus compte qu'il y avait des avions qui passaient, et qu'ils se faisaient bombarder un peu plus loin. Donc en fait, ils se sont dit, on va essayer de voir s'ils passent tous les jours à la même heure. Les Américains, ils passaient tous les jours à la même heure, et puis tout simplement, les mecs sont venus le troisième jour avec un manpad, c'est-à-dire un système type Strela ou un truc qu'on mettait sur l'épaule. Ils ont attendu que le truc arrive dans le ciel, et puis ils ont tiré à bout portant quasiment. Ils ont abattu l'avion à bout portant, ce qui a été une catastrophe pour les Américains, puisque tous les bouts qui sont tombés par terre ont été revendus à prix d'or aux Chinois, aux Russes, parce qu'il y avait la peinture rame déjà, les Russes et les Chinois ne connaissaient pas du tout, donc ils étaient très contents d'en avoir des échantillons, et ça s'est vendu vraiment très très cher. Aujourd'hui, le F-117 est complètement dépassé, et le B-2 est toujours d'actualité, puisque le B-2, c'est un bombardier, furtif, c'est-à-dire qu'il est censé faire de la pénétration au-dessus du territoire hostile et n'être absolument détecté par personne. C'est toujours le cas, c'est toujours un avion qui est toujours d'actualité. Il va être remplacé bientôt par le B-21, qui va être son successeur, qui est déjà en phase de test dans le Nevada. Donc le B-21, c'est à peu près la même chose qu'un B-2, c'est exactement la même forme, les entrées d'air sont un peu différentes, mais en gros c'est à peu près le même volume, mais il a des systèmes d'autoprotection, des systèmes de vol qui sont un peu meilleurs. Le B-2 n'est pas du tout armé, c'est-à-dire qu'en fait il ne doit sa protection qu'à sa discrétion. À partir du moment où la chasse, peut-être par hasard, le détecte,
L'équipage, faut pas, on ne donne pas cher de sa peau puisqu'ils se feront descendre assez vite. C'est un appareil assez lent et c'est un appareil qui n'a strictement rien pour se protéger. Même pas dans, je crois qu'il, et tu vois, j'ai bien fait de te poser les questions, la question là-dessus, parce que moi, je maîtrise très peu. Hein, je n'y connais pas grand-chose en avion de chasse. Mon père était passionné de ça, mais moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, du coup, toi, on sent vraiment que tu maîtrises le sujet. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, quand tu vois un Jean-Pierre Petit, il y a quelques années maintenant, qui montrait une vidéo d'un B2 avec derrière une sorte de... Enfin, il voulait faire penser qu'il y aurait eu une MHD qui aurait été activée, tu sais, en dessous du B2, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo-là, de Jean-Pierre Petit. Par ailleurs, Jean-Pierre Petit... c'est un type très attachant, mais d'abord la MHD, c'est pas lui qui l'a inventé, il a travaillé un peu dessus. Ensuite, la MHD, c'est pas récent, hein, c'est un vieux truc. Hein, c'est, les Russes avaient fait les fameuses torpilles cheval qui n'étaient pas vraiment des torpilles, c'était des fusées sous-marines. Ils avaient fait simplement pour essayer d'éviter c'est de la mécanique des fluides, hein, c'est de éviter la friction, la pression de l'eau. Plus on avance en vitesse, plus la pression au carré va être élevée sur le nez de la torpille ou de la fusée. Donc les Russes s'étaient dit, si on fait une bulle d'air devant la fusée, on va écarter l'eau et donc on va permettre d'aller plus vite parce que cet air va permettre de chasser l'eau et de chasser en fait la résistance mécanique. C'est la mécanique des fluides. Donc en fait, ils ont fait... C'était Sakharov, non, à l'époque ? Mais c'est en fait ils avaient travaillé là-dessus. Ils avaient installé un sprinkler, donc à l'avant de la torpille, vous avez en fait dans la torpille, vous avez des cartouches de gaz, et à l'intérieur de la torpille, vous avez, c'est une torpille qui ressemble à une fusée, elle est très pointue. Vous avez un sprinkler. Le sprinkler, c'est exactement les mêmes trucs qui étaient les, vous savez, les petites hélices qu'on avait au plafond pour faire les trucs anti-incendie, qui étaient censés tourner pour envoyer de la flotte quand il y avait un incendie dans les bureaux des écoles. C'est un truc qui ressemble exactement à ça, avec une petite buse qui envoie du gaz, et vous avez une hélice qui va faire une espèce d'enveloppe de gaz autour du nez et chasser l'eau pour pouvoir aller plus vite. Ça marche à condition qu'on tire à tir tendu, et que la cheval soit tirée vraiment en face, ce qui est très difficile en fait pour un sous-marin, puisque les sous-marins ne voient rien. Un sous-marin se dirige avec des ondes sonores, ce qu'on appelle les ondes sonares, et pour tirer à flux tendu, c'est quasiment pas possible. Donc en fait, ce qu'on fait pour un sous-marin, c'est qu'on envoie une torpille, les torpilles sont filo-guidées, ça faisait un câble derrière, elle est téléguidée en fait la torpille, et parce que évidemment les ondes radio ne passent pas sous l'eau, donc on est obligé de filo-guider la torpille va s'approcher du sous-marin ennemi et exploser et cribler d'impact en fait le sous-marin ennemi. C'est un peu le même système que la flak pendant la Deuxième Guerre mondiale allemande, c'est-à-dire les canons anti-aériens qui ne tiraient pas directement sur les bombardiers alliés, mais ils envoyaient plein d'obus qui explosaient tout autour en envoyant plein de débris partout. Et en fait, ça criblait de mitraille les bombardiers jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ils avaient tellement de trous qu'ils tombaient, quoi. Donc, c'est un peu le même système, mais la torpille d'un cheval a été plus ou moins, bien qu'ils ne le disent pas, mais elle a été complètement abandonnée par les Russes, ils ne les utilisent plus. Et ils font toujours des essais de trucs un peu étranges. Ils ont fait sauter un de leurs sous-marins de type Oscar II, le Kursk, dans la mer Blanche il y a quelques années, dans la mer de Barents, à cause de ça, parce que c'est un peu la théorie russe, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas modéliser, on ne va pas faire des simulations, on va faire un truc, on va les essayer en live, et puis si ça pète, bah, c'est pas grave, on fabriquera un autre sous-marin, et puis on embauchera d'autres marins. C'est un peu les Russes sont un peu comme ça, c'est un peu particulier à Russie. Hein. Parce que là, si on revient donc à la théorie de Jean-Pierre Petit, tu sais, on peut voir sur son site internet, donc jp-petit.org, c'est titré « Les mystères du B2 ». Un film montre le système MHD du B2 en action. Et donc, tu vois cette boule comme ça de vapeur qui entoure le B2. Et toi, tu penses quoi de ça? Parce que je suppose que tu as déjà vu la vidéo. Hein. Il part un peu dans tous les sens. Ils voient la MHD partout. La MHD, ouais, il n'y en a pas partout. La MHD, c'est la magnéto-hydrodynamique. C'est de la mécanique des fluides, ni plus ni moins. Pareil, mais après, on va faire de l'environnement magnétique pour essayer de chasser l'air. Est-ce qu'on peut faire avancer un avion plus vite? Peut-être, peut-être pas. Mais dans le cas du B2, qui n'est pas un avion qui a besoin d'aller vite, qui est un avion très lent, à quoi ça sert? À rien.
leur apporte la lourdeur en mettant des trucs qui servent à rien. Oui, parce qu'on a tendance à penser que c'est un avion de chasse, mais pas du tout. Toi, tu l'as rappelé tout à l'heure que c'est bien un bombardier qui est très lourd, en fait. Hein. Qui n'a pas non plus une capacité de transport absolument folle. Par contre, il peut emmener des bunker busters, c'est-à-dire des bombes qui peuvent percer des bunkers. Il peut emmener des Moab, je crois qu'il peut emmener des Moab, si je ne dis pas de conneries. C'est-à-dire des bombes avec une puissance d'explosion énorme. Je crois que c'est la plus grosse bombe conventionnelle qui existe dans l'arsenal militaire mondial, qui a dû être utilisée une ou deux fois, parce que je crois qu'il y a je sais combien, 20 millions de bombes. Ils ne vont pas en balancer tous les jours non plus, il ne faut pas déconner. Mais après, c'est des trucs pour faire... pour faire joli sur la plaquette, quoi, pour dire voilà, on a ça. Après, le B2, non, non, la MHD sur B2, ça ne sert à rien. Après, qu'il y a des gens qui travaillent sur l'aérodynamique, oui, on a fait par exemple des ailes avec des plans, tous les Airbus ont des plans mobiles. Alors, vous avez des bords d'attaque sur l'aile, c'est-à-dire l'avant de l'aile, vous avez un bord arrondi qui est articulé. Donc, selon le type de densité de l'air, vous avez le bord d'attaque qui va changer de forme pour pouvoir augmenter la portance ou réduire la portance de l'aile. Vous avez des volets amovibles. Quand vous êtes dans un avion et que vous êtes à l'atterrissage, vous voyez tous les volets qui se déploient dans tous les sens, c'est pour modifier la portance de l'aile. Les oiseaux font exactement la même chose. Ils déploient leurs plumes de manière différente quand ils volent et quand ils atterrissent. Donc, en réalité, c'est pas... c'est des... Mais alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette bulle de vapeur, alors ? Tu sais, de cette fameuse vidéo-là, que tu connais, hein, je pense que tu as déjà vu cette vidéo. Parce que là, il marque passage du B2 en transonique au-dessus de la mer, migration de la décharge électrique MHD dans l'environnement de vapeur d'eau. Effectivement, on peut avoir une ionisation de l'air autour des avions, mais qui est tout à fait naturelle, particulièrement dans les milieux où l'air est humide. Donc au-dessus de l'air, ça peut, au-dessus de l'océan, ça peut arriver. Il peut y avoir des ionisations, c'est des ions positifs, négatifs. C'est l'électrisation en fait de l'air. C'est un peu comme quand les marins appellent ça les feux de Saint-Elme, tu sais, en haut des mâts. C'est des phénomènes qui ne peuvent se produire que quand. Des phénomènes naturels. Mais qui n'ont absolument rien à voir avec la MHD, d'après toi. Rien à voir. D'ailleurs, on en a vu un exemple que tout le monde connaît, c'est les gens qui s'intéressent aux ovnis, avec la fameuse histoire des phénomènes de la vallée d'Esdalen, où en fait, ils ont réussi, les Italiens ont beaucoup travaillé sur Esdalen, et ont mis au jour en fait que la vallée, la vallée, en fait, ils ont fait de la minéralogie dans la vallée, et ils ont trouvé de la magnétite, du granit, enfin des tas de trucs qui sont conducteurs de magnétisme et d'électricité, que c'est une vallée qui est toujours en humidité, il y a beaucoup de brouillard, et qu'en fait vous avez des conditions, on appelle ça des plasmas incandescents, mais en réalité, bon, ils sont toujours en train d'étudier, parce qu'il y a des tas de trucs qui sont un peu spécifiques à cet endroit-là, mais les phénomènes sont réels. Après, les phénomènes ne sont pas surnaturels. Mais au Moyen-Âge, alors que ces phénomènes se produisaient déjà, les gens y voyaient des manifestations de fées, de sorcières. Dans les années 80, où on était plus sur les ovnis, ils ont dit « bon, bah, on a peut-être des ovnis ». Et puis, ça a été expliqué. Il y a des tas de phénomènes aujourd'hui, dans le cas des ovnis, les sprites, les farfadets, dans les phénomènes de haute atmosphère. Là, on a les fameuses colonnes bleues qui ont été expliquées, qui sont des phénomènes absolument fascinants. L'affaire des sprites et des farfadets, c'est absolument incroyable. Dans les années 50, vous avez des pilotes américains, ils vont en haute atmosphère avec des avions, et ils disent « j'ai un petit problème avec mon copilote, on a vu une méduse gigantesque, rouge, apparaître au milieu des nuages, vraiment très très haut, on était à très haute altitude, mais c'est en une fraction de seconde, c'est un truc gigantesque, hein, vraiment une méduse avec des tentacules et tout, puis elle est partie. » Et donc les mecs perdaient leur licence de vol, parce qu'on disait « c'est lui, il est fou, c'est bon, on va pas laisser voler avec des passagers qui voient des visions quand il est là-haut. » Et on a dû attendre, je crois, au début des années 2000, avec ce fameux japonais là, qui est parti dans un avion... pour aller les filmer, c'était le premier mec à les filmer. Maintenant, tout le monde, enfin, Sprite et Farfadet, vous avez des photos partout. Vous avez même une émission de Hugo Lissoir, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur la très bonne chaîne YouTube Dernière Nouvelle des Étoiles, qui a fait. Que je suis de temps en temps, que j'adore. Ouais. Donc, et qui explique que ce qui est triste, c'est que c'est des mecs qui ont été les premiers à rapporter ces cas. Eh ben, on les a mis de côté parce qu'on s'est dit non, c'est pas possible, ce que tu racontes, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Et pour les gens qui rapportent des ovnis, on a aujourd'hui des gens qui disent c'est pas possible, mais je pense qu'il faut, par le biais de ta chaîne, par le biais de tas d'autres gens en France, on a quand même des gens qui portent une croix, hein, vraiment, qui ont un sacerdoce. Je pense à Gilles Thomas, je pense à Galactéros,
à qui je rends hommage, tous ces gens-là, parce que Gilles Thomas avait un petit concept. Il dit, moi, je vais filmer des ufologues des années 50-60 avant qu'ils ne soient plus là pour prendre leur témoignage. Et ça laissera une trace pour les chercheurs plus tard, quand enfin on aura le fin mot de l'histoire et qu'on saura ce que c'est. C'était quasiment génial, il était le seul à le faire. Il a fait vraiment en commençant, comme un étudiant au fin fond d'une chambre de bohème. Et c'est un peu émouvant quand on regarde ces vidéos aujourd'hui, qu'en quelques années, parce que beaucoup de ces ufologues, qui font partie des ufologues de la première heure, sont décédés. Et ils n'ont pas vécu la période bénie qu'on est en train de vivre, où on a à peu près tous les services de renseignement du monde, qui sortent du bois en disant « on s'est foutu de votre gueule pendant 50 ans en vous disant que ça n'existait pas, que c'était des falaises ». Parce que non seulement ça existe, non seulement on a des bureaux très sérieux qui étudient le phénomène, mais on est un peu inquiet parce que plus on étudie le phénomène… Mais en même temps, on ne sait pas trop s'ils continuent à se foutre de notre gueule avec de la désinformation, tu vois. C'est ça aussi qui est… Attention, hein, soyons quand même vigilants, hein. Soyons prudents. On va y revenir. C'est très ambivalent. Mais bon, avant de parler de ça, je voulais juste rebondir encore une fois sur Jean-Pierre Petit. À quoi bon affirmer qu'il s'agit de MHD là, sur cette vidéo, alors qu'en fait, il n'en est rien? Pourquoi un scientifique de sa catégorie affirme ça, d'après toi, hein? J'aime beaucoup, je dis encore, j'aime beaucoup Jean-Pierre Petit, mais enfin, il est sur un truc, la MHD, c'est son dada, il en voit partout. Alors, pour toi, c'est un fantasme, enfin, en tout cas, concernant cette vidéo, c'est du fantasme. En fait, c'est une interprétation de phénomènes qui sont des phénomènes naturels, pour dire qu'il y a de la MHD là-dessus. Non, ça ne sert à rien. En plus, c'est pour quoi faire, hein. Alors, la MHD, quand tu es dans un environnement où, par exemple, je prends l'exemple des ingénieurs allemands de Volkswagen qui ont travaillé, quand ils ont racheté via Ferdinand Piëch, la marque Bugatti. Bugatti, qui est basée en Alsace, à Molsheim, a travaillé sur une voiture qui s'appelle Aveyron, qui était la première voiture que n'importe qui pouvait acheter en ayant passé son permis, il fallait beaucoup d'argent, et qui pouvait dépasser les 400 km/h sur route ouverte. Autant dire qu'il n'y a aucune route qui est suffisamment longue sur le circuit urbain normal pour te permettre de faire 400 km/h. Les 400 km/h, il fallait sur une piste. Ils expliquaient que plus, à partir de 300 ou 350 km/h, le moindre km/h gagné, c'était une contre-poussée de l'air sur la voiture qui pesait en tonnes. Ce n'est pas plus de kilos, c'est en tonnes. Et donc là, effectivement, quand on arrive à travailler sur l'aérodynamisme, ce qu'on appelle le CX, on y travaille en soufflerie. On travaille sur, la mécanique des fluides, puisqu'on va regarder le vent, l'air, qui va, plus tu vas aller vite, plus ça va écraser devant ta voiture et te freiner. C'est pour ça qu'il faut, pour le moindre kilomètre-heure, augmenter la puissance de manière exponentielle, et ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que pour le moindre kilomètre-heure, il faut rajouter tant. C'est assez passionnant. Pour les avions, c'est pareil. Les Américains travaillent depuis des années sur des objets triangulaires qu'on appelle des gliding bodies. Donc, les gliding bodies, c'est ce qu'on appelle les planeurs hypersoniques aujourd'hui. Il y a plein de projets qui, depuis les années 65-70, qui ont vu le jour. Alors, effectivement, quand ça passe au-dessus du Nevada, les gens, oh là là. Mais les Chinois travaillent dessus aussi. Les Français ont travaillé sur un projet de planeur supersonique jusqu'au milieu des années 2000. Puis ils ont arrêté le projet, on ne sait pas trop pourquoi. Ils sont un peu, peut-être par manque de financement, mais ils ont arrêté. Ils étaient plutôt pas mauvais. Oh. Et ils ont arrêté. Ça commençait à devenir stratégiquement très intéressant. Parce que maintenant, intéressant. Tous sont... ouais. Ce que tu dis m'interpelle, là. Tu me fais penser à la vague belge de 1989 à 91. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un lien avec ces appareils-là, ou bien c'est vraiment venu d'ailleurs, ce qui s'est produit là? La vague belge, c'est très important d'en parler, parce qu'on est au même moment que l'OVNI de Calvin. Donc en plus. Oui, c'est quelques mois avant, en fait, hein, Calvin. Ouais. Et l'affaire d'Eupen. Donc, Eupen, c'est une région de Belgique. Et si je ne dis pas de bêtises, est en Belgique flamande. J'ai peut-être une bêtise, mais je ne crois pas. Une région où il y a des lacs. Et il y a eu des observations faites par des gendarmes, qui sont des gens, en général, qui sont habitués à rapporter de manière factuelle des témoignages et qui ne sont pas, dans la grande majorité des cas, pas franchement des rigolards. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont là pour faire des blagues. Ce sont des gens, quand ils voient des choses, ils les rapportent, et c'est leur métier.
Ils travaillent sur la sécurité d'un pays. Et en plus, comme les gendarmes belges, comme les gendarmes français, sont des militaires. C'est-à-dire qu'ils ont pris aussi le sérieux militaire derrière une certaine discipline. Ils voient des objets gigantesques en forme de triangle, avec aux extrémités triangle isocèle, aux formes des extrémités, ces fameux spots blancs, mais qui n'éclairent pas, et qui sont lumineux, mais qui n'éclairent pas, et au milieu, cette fameuse lumière rouge qui peut parfois se détacher. Deux gendarmes ont vu les objets les survoler, ont décrit un pattern dans la surface de l'objet, c'est-à-dire que vous avez des lignes, des plaques, enfin quelque chose vraiment de manufacturé, qui bougeaient dans un silence relatif, puisque ceux qui les ont vus de plus près ont décrit un bruit qui ressemblait au bruit d'une machine à coudre, un peu sourde, qui faisait tchac, 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 mais très, très sourde, comme c'était entre une dynamo de bicyclette et une machine à coudre, quand ça nous est passé dessus, et c'était assez gigantesque. Moi, je suis persuadé que la photo qui a été faite et qui a défrayé la chronique était une fausse, puisque sur la majorité des cas, sur ce type d'engin, et les triangles ont été vus à peu près partout dans le monde, je crois que ces engins, ceux qui arriveront à les prendre en photo, il faudra leur donner un prix Nobel, parce que moi je suis persuadé qu'ils sont protégés contre ce type de détection, c'est-à-dire qu'ils ont probablement eux aussi des systèmes de contre-mesure, parce que on a des témoignages sérieux de tas de gens qui ont été en contact avec ces trucs-là, et que ces trucs-là, quand vous avez des ingénieurs nucléaires dans les centrales qui disent avoir été survolés, on pourra parler du survol de centrales qui ont été beaucoup faits par des drones. Alors on sait aujourd'hui, via les renseignements français, qu'il y a énormément de survols de centrales faits par des drones chinois, puisqu'ils sont particulièrement pénibles en ce moment, ils survolent tous les sites stratégiques européens, ils cartographient tout, mais que, par exemple, le cas de la centrale de Golfech, ce n'était pas possible, parce qu'on a eu plusieurs témoins, que ces témoins étaient audités par l'Office de sûreté nucléaire, je crois, et que tous décrivent un engin extrêmement grand, de forme triangulaire, noire, typique triangle noir. On ne sait pas ce que c'est. C'est un peu gros pour être des drones chinois, ce n'est même pas possible. Et c'est des témoignages qui s'accumulent, qui sont, on le sait aujourd'hui, pas que par des gens qui parlent beaucoup comme Avilob aux États-Unis, mais il y en a énormément qui disent, voilà, qui orbitent autour de les Lou et les Ando, ils disent non seulement on sait que ces trucs-là sont là, qu'ils sont réels, mais tous disent, voilà, on a fait partie de petits comités spécifiques, on a vu d'autres vidéos qui ne sont pas encore publiques. L'UB a fait encore cette semaine une apparition publique pour dire en ce moment aux États-Unis, on a une espèce de dualité entre ceux qui disent on va tout reclassifier, c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, la sûreté nationale est mise en cause et donc aux États-Unis on ne lâchera plus rien, et Avilob qui dit non, de toute façon on a fait des copies donc on va tout lâcher nous. Et Elizondo qui dit moi je ne peux rien dire parce que comme il est re-rentré dans l'administration Biden, puisque Biden, quand il est arrivé au pouvoir, il a rappelé Elizondo. Aux ovnis, en gros, hein, c'est ça. Hein. Donc, le mec est reclassifié secret défense, il ne peut plus trop s'exprimer. Mais avant, il a quand même expliqué qu'ils avaient encore sous le coude pas mal de vidéos, dont des vidéos d'engins où même on voyait des occupants dans les engins et que ces vidéos étaient extrêmement nettes. D'ailleurs, on pourra revenir sur les vidéos des Tic Tac, c'est intéressant, par rapport à ce qu'on disait sur les systèmes embarqués sur les rafales, les systèmes de détection. Je fais juste un aparté vite fait. Les vidéos des Tic Tac sont relativement floues. Sont des vidéos infrarouges et qui sont de très basse qualité. Il faut savoir que dans l'aviation militaire, les systèmes OSF, c'est-à-dire Optronic Secteur Frontal, donc sur le Rafale fabriqué par Thales, la capacité des systèmes OSF est classée secret défense. C'est-à-dire que dès qu'on fait des conférences, et moi j'en ai faites avec des systèmes qui étaient embarqués sur d'autres types d'avions, les images sont dégradées. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une image, c'est comme une image JPEG. Vous avez pour impression... Si vous voulez faire un catalogue ou un livre, vous avez une photo, il faut minimum 300 dpi de résolution. Et quand vous allez la mettre sur Internet, elle sera à 72 dpi, ça passe. Mais 72 dpi, si vous l'imprimez, elle sera floue. Et bien là, parce qu'il ne faut pas montrer à l'ennemi ou au potentiel ennemi, ou même aux alliés, puisque tout le monde espionne tout le monde, quelles sont les capacités réelles de nos systèmes optiques et la portée effective de nos systèmes de détection. C'est pour ça que quand les F-18 ont pris sur le golfe du Mexique les ovnis, et Elizondo le dit lui-même, on a des vidéos très nettes de ces appareils. On a des vidéos où ils sont très près et on sait que c'est pas de chez nous. On a des espions partout dans le monde, on sait que c'est pas les Australiens,
c'est pas les Chinois, ils n'ont pas ça, c'est pas les Russes, ils n'ont pas ça. Et depuis l'Ukraine, on sait en plus que peu qu'ils ont, ça ne marche pas. Donc, et ce n'est pas les Européens non plus, même si les Français ont quelques projets secrets, les Anglais ont quelques projets secrets, mais ça vient de personne. Et les Américains, qui seraient susceptibles, qui ont le plus gros budget militaire au monde et qui ont le plus de projets en cours, si eux disent « c'est pas nous », c'est qui ? Alors, ils peuvent mentir, ils peuvent dire « c'est pas nous » alors que c'est eux. Mais là, visiblement… Après, on attend toujours les fameuses vidéos et photos d'excellente qualité et pas des ballons Batman. C'est ça aussi le problème. Hein. Oui, alors, quels sont le degré de classification ? Si vraiment c'est du système qui… On ne sait pas si vraiment c'est de l'exogène qui pose problème. Ils ne vont peut-être pas vouloir déclassifier tout, ou s'ils veulent gratter de l'intelligence, c'est-à-dire du renseignement dans d'autres pays, il va falloir négocier. Je te donne telle vidéo, tu me donnes la tienne, on va voir ce que tu as à proposer. Il y a d'ailleurs une vidéo dans une série américaine de documentaires où on voit Elizondo arriver en Italie. Je ne sais pas si tu l'as vu, où ils vont parler d'un. Non, je n'ai pas vu, non. D'un survol d'un hélicoptère de la sécurité civile italienne, dont les Italiens disent que cet hélicoptère s'est fait quasiment abattre par un OVNI. Ah ouais ? On a des photos et on a l'analyse de l'hélicoptère après. Donc en fait, on a cet hélicoptère qui est dans le ciel. On a là encore, dans les trois cas qui vont nous intéresser, enfin les trois cas accessoires qui nous intéressent ce soir, une boule qui arrive au-dessus de l'hélicoptère, prise en photo. Hein. On voit la boule suivre l'hélicoptère. La boule, apparemment, envoie un faisceau vers l'hélicoptère et quasiment les pales, soit c'est un Agusta, je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr, les pales sont carrément traversées. Et on voit en fait un des mecs du ministère de la Défense italien qui fait quasiment son marché. Quoi. Il est en face d'Elizondo, il dit « Écoutez les gars, moi j'ai des cas, je veux bien vous donner des dossiers, mais il faut m'en donner en retour. Parce que moi, je ne vous donne pas tout gratuit. » quoi. Parce qu'avec les Américains, c'est un peu à sens unique. C'est un documentaire qui est sorti il y a 2 ans, je crois, en plusieurs épisodes, qui était d'ailleurs très bien foutu. Il y avait To The Star Academy derrière et tout ça. Il y avait Elizondo, il y avait tous les gens qui étaient derrière, Al Putoff et toute la clique, voilà, qui avait travaillé au Pro Black Project, tout ça. Il y en a un qui a quand même travaillé à Los Alamos, l'autre qui a travaillé au Black Project, donc. On peut considérer qu'ils sont au niveau de secret défense le plus élevé de l'armée américaine, qu'ils ont tout vu, les mecs qui sont blasés. Et ces mecs-là se sont passionnés pour ces cas OVNI récents, parce qu'ils disent, voilà, nous, on sait tout ce qui se fait. On est au courant de tout dans le monde entier. On veut être les meilleurs, donc on sait tout ce qui se fait. Et ça, ce n'est pas nous, ni les autres. Donc, c'est qui ? Donc, ce que disait, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet ancien pilote, comme il était leader SO de la patrouille de France, avec ses grandes moustaches, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je m'excuse auprès de lui, qui témoignait, puisque lui a vu des ovnis aussi, quand il était sur Mirage 3, si je ne dis pas de bêtises. Que l'on peut voir dans plein d'émissions, ouais, je vois de qui tu parles, mais je ne me souviens plus non plus du nom. Ouais. Et en fait, ils se sont fait balader par un cigare avec des halos lumineux sur tout le long du cigare, qu'ils ont pris pour un avion de ligne au départ, des hublots, mais en fait pas du tout. Ce qui correspond d'ailleurs à un des cas qu'on a vu, c'est-à-dire des cigares avec des espèces de grands disques lumineux sur les côtés, qui est décrit dans une des émissions de Stéphane Alix, une famille qui a vu ça, c'était en promenade champêtre, ils ont un cigare de type cuivré, un truc grand comme deux autobus descendent du ciel à très grande vitesse, être à quelques mètres d'eux au-dessus d'un champ, et puis se barrer en se mettant à la verticale et partir aussi vite que c'était arrivé. Et les types étaient un peu en train de dire, dès qu'on en repart, on est un peu sous-coupé. Parce que... ouais, tiens, j'ai retrouvé le nom, Jacques Crin. Jacques Crin, exactement. Voilà, Jacques Crin, qui est un type classique, parce qu'il a été aussi, lui aussi, un des premiers à dire... Je suis pas un fanat des E.T. ou je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas d'hypothèse privilégiée, mais ça vient pas de chez nous. Et comme ces gens-là font des festivals un peu partout, des meetings aériens un peu partout, ils discutent entre pilotes de tous les pays. Et des cas, il y en a. Et d'ailleurs, ça qui m'a moi intéressé à l'ufologie quand j'étais petit, mais mon père était, ma mère était hôtesse de l'air Air France, a été cadre Air France. Mon père était pilote amateur de planeur. Mais il aurait voulu être pilote, mais il ne pouvait pas, il était daltonien, donc ça a été un peu le drame de sa vie. Donc tous les ans, on allait à La Ferté-Alais. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Ferté-Alais, c'est dans le sud de Paris, c'est un aérodrome où se trouvent tous les avions de collection de la Première Guerre mondiale, les premiers avions de l'aéropostale,
Et il y a un festival chaque année où il y a la démonstration de la patrouille de France. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent avec des avions de la Deuxième Guerre mondiale, des Corsairs, des Texans, des Spitfire qui viennent d'Angleterre. C'est vraiment un super festival. Il paraît que c'est très réputé comme festival. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ce festival à La Ferté-Alais. Tous les ans, et ma mère rencontrait là-bas des copains à elle qui étaient à l'époque dans une compagnie qui n'existe plus, une compagnie américaine qui était la Pan Am et qui eux pilotaient des T6, donc des Texans, c'était des avions à hélice d'entraînement de l'armée d'air américaine dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ils venaient avec leurs avions et tout. Et il y avait un de ses copains qui était capitaine, donc commandant de bord. À l'époque, il y avait trois personnes dans le cockpit, il y avait un mécanicien, un pilote et un commandant de bord. Les mécaniciens ont été remplacés par de l'électronique maintenant. Et donc le mec dit voilà, moi j'ai vu des trucs de fou et je sais pas ce que c'est. Et lui aussi disait bon, c'était pas des rigolos, c'était pas des mecs là pour faire des blagues, ils parlaient pas pour se rendre intéressant, ils en avaient rien à foutre. C'était souvent d'anciens pilotes de chasse d'ailleurs qui étaient passés dans le civil après. Et les mecs disaient voilà, bah, nous on a vu des trucs, on sait pas ce que c'est. On en a parlé un petit peu autour de nous, bon discrètement, parce que c'est pareil, ils veulent pas perdre leur licence de vol, ça c'est une constante. Hein. Et ils n'ont pas de réponse. Et voilà. Bon, après, voilà, c'était resté, j'ai dû avoir 7 ou 8 ans à l'époque. Et à chaque fois qu'il y avait un truc sur les ovnis, moi je levais l'oreille en disant tiens, peut-être on a du nouveau. Et donc on a vécu, nous, on a traversé toute cette génération où les gens qui parlaient de ça étaient au mieux considérés comme des rêveurs New Age, ou au pire considérés comme des ozos en chasse des E.T. ou des gens qui voulaient se faire mousser en voyant des amis imaginaires dans le ciel. Alors Woody. Woody, si tu le veux bien, revenons à notre cas qui nous intéresse ce soir, le cas de Calvin. Alors Calvin, c'est un cas qui est actuel. Aujourd'hui, on en parle maintenant parce que notre ami Nick Pope, qui était à l'époque en poste dans un truc qui s'appelle le AS2A. Donc le AS2A, c'est le Air Staff 2A. Donc c'est et ça s'appelait le UFO Desk. Donc le UFO Desk, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le bureau des ovnis. Donc lui dit lui-même, j'étais un peu le Fox Mulder anglais. Je pense que sa vie devait être moins trépidante que la vie de Fox Mulder dans la série. Mais il a eu entre les mains différents dossiers traitant d'ovnis. Donc on avait des météorites, des bolides, parfois des avions dont on a su que c'était simplement des mecs qui faisaient de l'aviation légère, des Piper, des petits Cessna, et les mecs se paumaient, sortaient de leur couloir de vol. Donc on a un peu de tout. Parfois des aéromodélistes, puisqu'il n'y avait pas de drone à l'époque, mais il y avait des gens qui faisaient voler des petits avions télécommandés. Donc il y avait un peu de tout. Et il y avait quelques cas qui résistaient à l'explication. Lui était arrivé, je crois, après l'affaire de Randall Sham, qui ne concernait pas d'ailleurs trop l'armée de l'air, mais il a eu ce cas, qui avait d'ailleurs été sorti avant que lui intègre la S2A. Alors lui, il était dans la S2A entre 91 et 94. Je crois que ça fait 3 ans ou 4 ans au complet, et il a intégré l'Air Force en 85, et il a quitté l'armée en 2006. Donc ça donne déjà, c'est pas un mec qui a fait 2 ans en stagiaire et qui dit ah là là. Donc c'est quand même un type qui a quand même fait une carrière dans l'armée de l'air, voilà, on a ses fiches de paye, on a tout, donc on sait qu'il raconte pas des bêtises. Il est relativement honnête dans le cas où même aujourd'hui il est parti vivre aux États-Unis, il fait carrière aux États-Unis, mais il dit voilà, durant tout mon temps au S2A, j'ai pas eu de preuves concrètes qu'on avait affaire à des extraterrestres. On n'a pas cette preuve là, mais on a eu des cas qui résistaient à l'analyse. L'Air Force a quand même des très bons bureaux d'analyse photographique, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas encore le numérique. Et au début 90, hein, c'est 29. Je dis bêtise, c'est début 90, je crois, l'affaire de Calvin. On a deux cuisiniers qui sont en poste dans un hôtel, un genre de relais castle, quoi, local, pour les touristes, et les types décident d'aller se balader parce qu'ils ont une après-midi de pause et ils vont aller faire une petite balade dans la lande. Et les mecs sont au milieu, sous un arbre, là, devant une clôture, dans vraiment la lande, quoi. C'est-à-dire que c'est assez désolé, c'est du lichen, du varech et des herbes un peu sèches. Et dans le ciel apparaît un objet assez grand qui est considéré comme faisant une trentaine de mètres de long, si je me rappelle bien, en forme de losange, statique. Et
L'apparition dure quelques minutes quand même. Ils sont partis faire une balade, ils avaient un appareil photo. Donc, ils prennent leur appareil photo, ils font une série de photos, je crois 4 ou 5, quelque chose comme ça, et avec un appareil 24-36 argentique, donc ce n'est pas du tout la définition du numérique qu'on a aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Mais ils font quand même des photos, l'objet est immobile, donc déjà c'est bien, mais ils font à main levée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le réflexe de poser le coude sur un arbre ou un truc pour essayer de ne pas bouger, mais c'est déjà pas mal. Et au moment où ils font les photos, on voit arriver, selon eux, deux avions, visiblement de l'armée, donc des avions de chasse, qui tournent autour du losange, deux fois, je crois, avant de disparaître. Et losange, au bout d'un moment, se met à s'élever, d'abord lentement, puis après très très vite, vers le ciel, et disparaît complètement. Ça s'élève vraiment vers l'espace et pff, disparaît à très haute vitesse. Ils sont un peu interdits, alors, dire, qu'est-ce qu'on a vu OK, donc ça, c'est l'histoire, la légende qui est ressortie récemment. Pope parle de ce cas en disant, moi, quand je travaillais, j'avais un bureau, et dans mon bureau, quand j'ai intégré la S2A, j'avais une photo de type poster qui était punaisée au mur de un tirage de les photos qu'ont pris ces deux gars. Et j'ai, par curiosité, demandé à voir le dossier relatif à cette photo. Parce que la photo était en noir et blanc et montrait un objet inconnu sur fond de nuage, donc visiblement en l'air, on en reviendra, et on avait un avion, parce qu'il y a deux avions visiblement, mais là, sur le cliché qu'il avait, lui, avec un avion en silhouette qui était un peu flou parce qu'il était en mouvement. Et donc, par curiosité, il commence à regarder le dossier. Lui dit, voilà, dans le dossier, il y a une analyse photographique poussée, puisque visiblement, l'Air Force était en possession des photos et des négatifs, plus du témoignage des deux témoins. Et de l'auteur de la photo qui fait partie de l'étonnement. Dont on ne connaît pas l'identité encore aujourd'hui, bon, ça, mais visiblement, apparemment, ça va sortir. Il y a une histoire de droit, j'imagine. Et ça, on est au milieu des années 90. Dès qu'il quitte, enfin, je suis en 2006, Pope quitte l'armée et commence à en parler en disant, voilà, moi j'ai voulu en fait faire une copie de la photo, mais à un moment, j'ai un de mes cadres, donc, lui était, je crois qu'il avait un niveau intermédiaire, et un de ses cadres arrive, et puis il détestait ce truc-là, cette photo. Lui disait que c'était de la perte de temps, des niaiseries, et disait, voilà, bon, bah, ça, on va perdre du temps, ça c'est connerie, j'en ai marre de voir cette photo. Il déchire la photo, un jour où visiblement Pop était le week-end, et il passa au broyeur, il dit, allez, hop, belle. Donc, Pop revient après son week-end, il se rend compte que la photo n'est plus là. Et heureusement, il a fait quelques copies en type photocopie. On est quand même au début des 90, hein, y a pas des... Et, parce qu'il avait fait déjà des topos, des briefings internes au bureau de l'armée de l'air, où il avait fait des espèces de trucs de mauvaise qualité. Mais juste pour illustrer son propos, quand il disait, voilà le genre de cas qu'on peut avoir à Chirac, on ne sait pas ce que c'est. Rien de fou. Et la photo disparaît. Et donc, Pop, pendant des années, va dire, il est interviewé, parce qu'effectivement, il a été en Angleterre de ceux qui ont étudié les ovnis, et il dit, voilà, moi j'ai eu ce cas-là, il y a un dossier dans les dossiers de l'Air Force qui parle de ce cas-là, qui a été étudié, le bureau, le laboratoire photographique, c'est un laboratoire hyper performant, tu as vraiment des systèmes d'agrandissement, ils analysent, ils ont des très bons experts. Il dit, voilà, cette photo-là, pour les experts de l'époque, n'était pas un faux. L'objet était bien dans le ciel, il était bien de grande taille, et que la photo n'a pas été falsifiée, c'est pas une surexposition. Par exemple, dans les années 60, il y avait beaucoup d'escrocs, comme Adamski, Meyer et toute cette clique de gens qui voulaient faire un billet sur l'ufologie avec les New Age, qui faisait des surexpositions. C'est-à-dire, en fait, il prenait une photo d'un paysage et en fait, il reprenait sur le même négatif un objet en lévitation et il surexposait les deux photos. En fait, et après, il développait, tu as l'impression que c'était une photo. En fait, c'était un combiné de deux trucs qu'ils avaient. Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais maintenant. Oui, ça, et d'ailleurs, pour le cas d'Adamski, ça a même été débunké, puisqu'il s'agissait d'une lampe, tu sais, d'un modèle d'une lampe des années 50, quelque chose comme ça de mémoire. Hein.
Si tu veux mettre le lien, il y a une très très bonne analyse qui est extrêmement complète. J'ai le lien où tu as tout, même là où il a acheté la lampe, comment il a fait pour faire la maquette. Il y a un autre cas très célèbre qui est le cas de Gulf Breeze. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, même si peut-être c'est un raccourci, mais est-ce qu'on pourrait dire que le livre d'Adamski, c'est à foutre à la poubelle hein ? Oui. C'était en fait hein. des pseudo-gourous, il y en a eu beaucoup, parce que dans les années, jusqu'aux années 60-70, tu sais, la libération sexuelle, tous ces trucs-là, il y avait un immense courant New Age. D'ailleurs, le livre de Von Daniken a eu un succès incroyable à cette époque-là, parce qu'on était aussi sur une recherche de spiritualité, sur des tas de trucs. On n'avait pas le numérique, on n'avait pas Internet, on ne pouvait pas vraiment vérifier les sources. Donc les mecs écrivaient un peu. Von Daniken était assez d'ailleurs honnête en disant des années après qu'il avait quand même beaucoup romancé son truc, il avait quand même brodé et que bon, c'était pas très sérieux, mais que ça faisait un bon roman, voilà, avec quelques trucs archéologiques, mais qu'au final, bon, c'était pas, lui était pas archéologue, il était romancier, et qu'il avait même été très surpris du succès de son bouquin. Tant mieux pour lui, hein, mais en fait, bon, il a fait école, mais lui-même aujourd'hui dit que c'était pas un truc très très sérieux. Il y avait Bob Lazar, je sais que Bob Lazar aujourd'hui, il y a des gens, des Américains qui aiment beaucoup Bob Lazar, mais moi je trouve que pas que des Américains, beaucoup de Français. Tu sais, depuis que j'avais fait cette vidéo là sur Bob Lazar, depuis que j'avais fait cette critique, parce que je critique sévèrement Bob Lazar, tout ça. Oh là là, il y a pas mal de défenseurs français, hein. Mais comme alors, tu dis, tout ça sont des gourous 2.0. Lazar, il me dit voilà. Secret de l'armée, on a des ovnis à Papoose Lake, le laboratoire SK, bidule, machin. Bon, de tous les mecs qui ont travaillé dans l'armée américaine, il y a des gens qui sont en fin de vie, qui sont cancéreux, même des gens qui ont travaillé à RS-51 et tout ça. Il n'y a pas un qui dit que ce truc-là existait. Parce qu'on peut se dire, bon, les mecs, ils sont tenus par le secret. Mais quand tu es cancéreux, il te reste 3 semaines à vivre, tu n'en as plus rien à foutre, tu peux faire une vidéo en disant, voilà, oui, il y a ça, il y a des ovnis, machin. Lazar, c'est le seul à parler de cette histoire. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fuite à part Bob le Lézard. Donc, c'est qu'il y a un lézard, hein, quelque part, sans jeu de mots. Mais bon. Sérieux que le cas Lazar pour moi, parce que Lazar est quand même un personnage ambivalent. C'est un type très intelligent. Il aurait pu d'ailleurs, il aurait pu très bien monter sa secte, hein, parce qu'il est très bon manipulateur. Oui, mais je pense que voilà. Et après, le problème de Lazar, c'est que là, alors, je sais pas comment ça s'est fait cette histoire, mais il y a des pilotes amateurs qui ont réussi à s'approcher en étant vraiment au ras du couloir aérien autorisé, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je pense qu'ils ont dû utiliser un téléobjectif ultra puissant, et ils ont photographié sous toutes les coutures Papoose Lake, y compris le site exact, c'était en bordure sud-sud-est de Papoose Lake, où Lazar dit, il y a les portes de S4, tout ça, on voit tout, il n'y a rien. Il n'y a même pas une route de bagnole, il n'y a même pas un petit sentier, il n'y a que dalle. Moi, je veux bien qu'il y ait des trucs très cachés, mais en général, on le sait. Et même si, par exemple, sur Google Earth, on ne peut rien voir parce que les photos de Google Earth sont censurées par l'armée américaine avant qu'elles soient diffusées au monde entier, c'est-à-dire que, voilà, ils censurent certains trucs, ils retouchent les photos, vraiment, l'armée américaine, sur leur site sensible. Mais là, le mec est passé avec son avion, et il a tout photographié et il n'y a que dalle. La crédibilité de Lazar, 5%. Mais c'est un personnage très intéressant parce que c'est quand même un type qui a été effectivement qui a eu des accès à des sites sensibles, qui a eu des sociétés qui fournissaient l'armée américaine dans des matériaux irradiants. Donc c'est un peu particulier. C'est un type intéressant. Vraiment, on peut faire des reportages sur lui parce que Alors pour moi, l'histoire de S4, c'est la fumisterie. Je pense que si vraiment un jour et si effectivement l'histoire des débris existe. Je vois mal les Américains les sortir au grand jour pour les mettre devant les satellites de la Terre entière. Hein, parce que, savoir que les Français ont des satellites espions au-dessus des États-Unis qui voient le jour la nuit partout. Hein, ça, on a des satellites la nuit qui voient comme au plein jour. Donc, si les mecs sortent la nuit, ça se faisait dans les années 50, c'est fini ça. Dans les années 50, on attendait que le satellite russe passe, puis une fois qu'il était passé, on avait 2 heures pour faire la manœuvre. Et puis après, une fois qu'il avait fait le tour de la Terre, on rentrait tout, on mettait tout sous bâche et puis c'était terminé. C'est fini tout ça. Maintenant, on a des trucs extrêmement performants. Son histoire tient pas. Elle tenait peut-être dans les années 80, mais elle tient plus. Et puis voilà quoi. Il y en a d'autres. Hein. Il y a une affaire assez rigolote qui est l'affaire de Boyd Bushman, qui a été sortie d'ailleurs par Nolan,
Donc Richard Nolan nous sort un type qui est soi-disant un ancien des Black Project, machin, le type est mourant à notre chambre d'hôpital, bidule, le truc. Et il dit, voilà, moi j'ai travaillé sur des trucs, les ovnis, j'ai travaillé dessus, on a fait de la rétro-ingénierie. Non, je vais vous montrer, j'ai même la photo d'un cadavre ovni. Et le mec te sort la photo. Mais la vidéo est encore sur YouTube, c'est à pleurer de rire, quoi. Le mec te sort un Polaroid d'un jouet de Walmart, que Walmart avait sorti dans les années 90 pour faire un jouet de Noël. Un truc dégueulasse en plastoc, mais vraiment qui tient pas. Mais de toute façon, plus c'est gros et mieux ça passe. Hein. Regarde ce qui se passe avec les fausses momies du Pérou, là, avec le docteur Jamin. Hein, regarde ce qui se passe du côté là. Bah voilà, plus c'est gros et mieux ça passe crème. Alors, Jamin, c'est un sujet. Alors, on va pas étendre parce qu'on va revenir sur Calvine. Mais Jamin, si tu veux, c'est un type. Moi, je l'avais vu sur l'affaire de Paititi. Déjà, quand le mec débarque à une combinaison de cosmonautes avec des patchs de l'Europe, de la NASA, des machins, déjà tu te dis que tu es déguisé pour aller au carnaval de Dunkerque, tu fais quoi là? Le mec, il est habillé avec le chapeau d'Indiana Jones, bon, il est enfin à fond dans son délire. Il va vivre au Pérou, il te raconte qu'il a trouvé la cité d'or d'Esteban Ezeiza, mais qu'il est le seul. Alors, tu as quand même des archéologues qui sillonnent le Pérou depuis une centaine d'années maintenant, mais lui, il arrive et direct, il tombe dessus, tu vois. Et le mec, il dira, mais par contre, j'ai pas pu fouiller parce que tu comprends, j'ai pas les autorisations, mais si vous m'envoyez un peu d'argent, on va pouvoir négocier, bon. Il y a toujours des gens qui vont lui envoyer de l'oseille parce qu'il fait rêver, quoi. Et surtout, il faut savoir que les escrocs, les bons escrocs, sont des gens qui sont éminemment sympathiques. Un escroc qui est antipathique, il ne fait pas une carrière. Et voilà. Des gens qui font rêver et surtout qui ont une bonne tête. Fred, qui me disait dans l'émission, hors antenne, il me disait il y a pas mal de gonzesses qui vont jusque là-bas rien que pour voir Jamin. Après, le problème, c'est que tu as des gens... c'est un peu le syndrome de Stockholm, tu vois. Moi, j'ai discuté avec des gens qui avaient donné de l'argent avec son histoire de momie en plâtre et en os de poulet, où quand tu découvres soi-disant une momie extraterrestre, moi, je connais des dizaines de laboratoires qui te font tes analyses ADN gratuitement. Parce que si tu tapes le premier à avoir les analyses ADN, tu deviens le laboratoire le plus célèbre du monde. Donc, les mecs, ils vont pas. Et le mec, il dit, ah, c'est 100 000, c'est ceci, ah, il faut de l'argent, tu comprends, la moindre analyse, c'est... Ça tire pas 5 minutes, quoi. Par contre, pour gratter de l'oseille, lui, il était très fort, lui et son copain. Donc, à partir du moment où ils ont commencé à toucher l'oseille, je rappelle quand même que je ne veux pas donner des idées aux gens, hein, faites pas ça, arnaquez pas les gens, mais ils ont touché 30 000 balles quand même, tu vois. 30 000 balles au Pérou, tu peux vivre tranquille, hein, parce que le niveau de vie au Pérou, c'est que dalle. Hein. Tu vois, les salaires au Pérou, c'est rien du tout, c'est des clopinettes. Donc, avec 30 000 balles, t'es peinard. Sauf que là-bas, moi, je l'ai vu en photo juste après qu'ils aient touché l'oseille, en train de faire la bamboula avec des bons whisky, des bons bédo et des. Et il y avait l'autre là aussi qui fait les pyramides de Rouen. Qui fait la. Oh mon Dieu! Oui, je vois de qui tu parles. Mais attends, Woody, tu me dis, tu as vu des photos, carrément des photos où il faisait la fête, tout ça quoi. Et le gars, il y a des gens qui sont tellement dans la croyance parce que c'est difficile de parler de ça. Tu sais, parce que la croyance, nous, on est dans... Quand on parle des ovnis, tout ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous aussi, vous avez la croyance, vous voulez voir, vous voulez croire ce que... » Voilà. Mais on essaye, nous, d'élaguer, de séparer le bon grain de l'ivraie et d'élaguer, en fait, les gens qui... Ouais. Truc. Très compliqué, très, très difficile. Ouais, parce qu'on nous... On n'est pas du tout reconnu par rapport à ça. Au contraire, on pense qu'on est des ultra-sceptiques, des zététiciens, du coup, quand on touche à ces gens-là, tu vois. Alors, souvent, il y a une espèce de dualité. D'ailleurs, plus du côté des zététiciens qui croient qu'il y a une dualité entre les gens qui s'intéressent au phénomène OVNI. On peut s'intéresser au phénomène OVNI, mais avec détachement et en étant sérieux. Mais il y a des gens comme dans les zététiciens qui vont dire « Ouais, tous les mecs qui s'intéressent au phénomène OVNI, c'est des zinzins des ZT. » Là, c'est les... Mais en réalité, non. Oui, tiens, c'est-à-dire que nous, on est entre deux extrêmes, c'est-à-dire les rêveurs et les croyants, ça c'est un gros problème, la croyance, et les zététiciens, donc, tu vois. Ah, là, on te voit en vertical. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, voilà, c'est revenu. J'ai mis un peu de basique. Donc, en fait, nous, on a le cul entre deux chaises. On est entre les croyants, les croyants et les rêveurs, hein, disons-le clairement. Hein et ouais. les fragiles d'esprit hein, aussi, voilà, il faut le dire. Intéressant, tu vois. Et les zététiciens, les ultra-sceptiques, et voilà, on est entre ces gens-là. Et donc, on essaye de faire la part des choses, et il faut bien avouer qu'on est mal compris dans ce tumulte, hein, dans cette voie-là, c'est entre deux, quoi. Et c'est vrai que c'est mal compris, parce que...
Voilà, et surtout chez les gens de chez nous en France, il faut toujours choisir une catégorie, tu sais. Tu es pour ou tu es contre. On est le pays. Et le juste milieu n'existe pas en France. On est le pays du cartésianisme, on est le pays de Descartes, on est le pays de Diderot et d'Alembert, on est le pays de Montesquieu. Donc, si tu veux, on est le pays du « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Sauf que là, non seulement on voit, on n'est pas les seuls à voir, et ceux qui voient, ils voient avec, avec les meilleurs appareils du monde, et ils commencent à voir la même chose que nous, c'est-à-dire en disant finalement, c'est pas que des zinzins, ça existe. Et puis bon, je vais te dire, tu sais, pour revenir à Jamin et puis ces fausses momies du Pérou, je vais te dire, il suffirait juste qu'ils fassent analyser par des radiologues français, tu sais, les radios, quoi. Hein. Radio, ils ont montré. Qu'elles soient analysées par de véritables radiologues français, il suffirait juste ça. Tu vois, juste cette chose-là, voilà, d'exiger cette démarche. Mais bon, bien entendu, il ne le fera jamais. Parce que s'il le fait, c'est clair que la vérité éclatera. Oui, la vérité, elle a déjà éclaté depuis longtemps. Je peux même le dire qu'elle a éclaté, mais officieusement, pas officiellement. Officieusement, des radiologues français, je le sais de sources sûres, hein, on me l'a dit, c'est un célèbre ufologue qui me l'a dit, de sources certaines, ça a été analysé, les radios ont été analysées parce qu'elles avaient été confiées à cet ufologue. Et il s'agit d'un vulgaire montage, d'un grotesque montage. C'est clair. Pas besoin d'aller plus loin. C'est fait. C'est débunké, quoi. Tu avais parlé d'ailleurs du phénomène de l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, c'est un nid de faux archéologiques. Ils ont une industrie du faux archéologique. Les pierres d'Ica, c'est un cas d'école. Qu'on a déjà fait en France, hein, parce qu'en France, il y a des mecs qui ont fait la même chose. C'est-à-dire que ce sont des pierres qui sont ramassées dans des rivières, les pierres sont gravées avec de la fraise de dentiste, cuites dans de la bouse de vache pour faire une patine. Des gravures, c'est connu, hein, je vais faire Dieu. Mon Dieu, ouais, c'est clair que c'est grave. Comme des vrais, à des touristes américains qui, en général, n'ont pas la culture archéologique, machin, qui vont surpayer des merdouilles pour touristes, mais après, c'est une industrie. Des croyants, encore une fois, des croyants. C'est tous les gens qui regardent Gaïa TV, là. C'est ça, en fait. Après, le problème des pierres d'Ica, c'est que les mecs ont commencé à graver des dinosaures avec des outils, des machins. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à se savoir. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus, ça finit par se voir. Quoi. Mais si tu veux, par exemple, il y a beaucoup d'immigrés mexicains qui vont aux États-Unis, particulièrement en Californie, qui font fortune parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent. Et quand ils reviennent au pays, ils ont envie de se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, un des trucs, c'est d'essayer d'acheter de manière un peu informelle des trouvailles archéologiques sous le manteau, ce qui est interdit. Mais voilà, si tu arrives à les ramener aux États-Unis, ça a une valeur, machin. Et il n'y a pas autant de marché que ça, de marchandises sur le marché authentique. Donc en fait, les mecs, ils font des faux. Et puis ils les vendent au même prix que les vrais. Après, On va revenir à notre sujet parce que là, on a complètement dévié encore une fois, hein, parce que c'est tellement passionnant. Voilà, on se laisse. On se laisse embarquer dans ces sujets-là, on s'éloigne quand même du sujet. Donc, revenons à ce cas de Calvin, que tu expliquais très bien d'ailleurs. Ouais, donc en fait, le cas de Calvin, on est toujours sur cette fameuse photo qui a disparu, et notre ami Nick Pope qui nous explique pendant des années son histoire, sans aucune preuve, sauf une espèce de photocopie toute pourrie, avec une espèce de silhouette, mais vraiment la photocopie ancrée au possible, super contrastée, qui ne montre pas grand-chose au final. Et donc, il dit, mais moi, j'ai vu la photo, croyez-moi sur parole, j'ai vu la photo, voilà. Bon, il a l'air sincère, mais pour l'instant, à part sa photocopie toute moisie, on n'a rien d'autre. Et puis, il y a très peu de temps, quelques mois, on a, dans la presse plutôt populaire en Angleterre, des articles qui sortent en disant, le cas de Calvin, finalement, on va peut-être le ressortir parce que nous, on a des journalistes, ils ont vu les photos originales. Alors, comment les ont-ils vues? Parce que les gens qui avaient enquêté sur les photos avaient refait le fil de l'événement, avaient retrouvé les deux témoins et qui ne voulaient pas donner leur identité parce que
À l'époque où ils ont pris les photos, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc, ils se sont dit, soit on va à la police, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on leur raconte ? Soit on va sur un journal local, qui est plus court, parce que c'était plus facile, on leur explique ce qu'on a vu, peut-être ça fera un bon papier dans la presse, et puis voilà, ils auront une bonne photo. Donc, ils vont voir un journal local, le journal, bon, prend les photos, l'article, je crois que c'est eux qui prennent les négatifs aussi, le témoignage des deux témoins, en disant, bon, bah, ok, on va faire un papier. Mais au lieu de faire le papier, eux, ils appellent l'Air Force. Il y avait une base de la RAF, vraiment juste à quelques miles au nord de Calvine, qui était en bord de mer. Et dans cette base de la RAF, on avait des avions qui s'entraînaient pour la guerre du Golfe, puisque les Anglais ont participé à la guerre du Golfe avec des avions. Et ils avaient aussi des Hawker Hunter, qui étaient des avions d'entraînement, biplace, en tandem, enfin pas en tandem, côte à côte. Vous aviez, et donc, vous aviez des rotations de Hawker Hunter toute la journée, parce qu'ils se préparaient vraiment à aller à la guerre. Là. C'était vraiment la guerre. Et pour ceux qui ont vécu cette période de la guerre du Golfe, il faut quand même rappeler que c'était sérieux. Enfin, ça a été la première guerre télévisuelle qu'on a vu quasiment en direct à la télé. Et quand les Français, les Anglais, on leur a annoncé que bah, nous, on envoyait des super étendards, on envoyait des mirages là-bas, des Jaguars, c'était pratiquement les derniers engagements des Jaguars, les Français se sont dit « Ouloulouloulou, c'est comme un pays de pétrole, là, où on envoie plein d'armes, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, et puis, on a fait beaucoup d'intox sur Saddam Hussein en disant que c'était la troisième armée du monde. Donc, les Français se sont précipités sur les stations à essence. Il y avait des queues pas possibles, les gens achetaient des pâtes et de l'huile par caddie entier. Ils ont dû bouffer des pâtes à l'huile pendant 10 ans après, parce qu'il ne s'est rien passé, mais bon, voilà. Et donc, ça tournait, les avions tournaient. Donc, l'affaire des avions anglais dans le ciel, c'était crédible. Le problème, c'est que les avions anglais, on les a pris pour des arrières, parce que la première photo était assez floue, et Pop dit c'était peut-être un arrière, mais je suis pas sûr. Et tout, sauf le problème, c'est que des arrières à l'époque, il n'y en avait plus. Il y en avait encore deux fois quatre sur les porte-avions, les porte-aéronefs plutôt, puisque c'était des ski jumps anglais, la marine anglaise, et qu'ils étaient eux dans l'Adriatique, puisqu'à l'époque, ils avaient été mandatés par l'ONU pour faire une no-fly zone au-dessus du Kosovo. Donc, en fait, il n'y avait pas de harrier opérationnel au-dessus de l'Écosse. Il n'y avait pas eu déjà au-dessus de l'Écosse. Par contre, il y avait du Hawker Hunter qui tournait. Il y avait des équipages d'un bombardier anglais de l'époque, qui n'existe plus maintenant, qui s'entraînaient sur des Hawker Hunter. Et donc, en fait, il est crédible que des Hawker Hunter aient été déployés, tout simplement parce qu'ils étaient déjà en vol et qu'en une minute de vol, ils étaient sur zone, si jamais on avait détecté un truc. Et donc, l'histoire d'un avion, d'une base aérienne proche qui tournait autour, c'était crédible. On savait que ce n'était pas des Harrier. On sait que c'est plutôt. D'ailleurs, la silhouette correspond vraiment à Hawker Hunter, hein, donc, sur un certain angle pour sembler de loin à Harrier, mais pas vraiment. Mais bon, c'était crédible. Et donc, là, on se dit, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la presse people anglaise dit, voilà, on a les photos sous la main, mais on ne sait pas encore si on peut les diffuser ou pas. Parce que, alors, ils ne disent pas si c'est parce qu'elles sont classées ou si c'est parce que ils ont un problème de droit financier dessus, on ne sait pas trop. Un peu des deux, peut-être. Mais je pense que si elles sortent maintenant, ce n'est pas anodin, c'est parce qu'il y a encore il y a 2 ans, l'Air Force britannique a ouvert ses archives sur les ovnis. Comme l'a fait le GEPAN. Alors le GEPAN, il y a quelques années, a dit, voilà, nous, on met sur le site du GEPAN, vous pouvez cliquer sur la base de données des cas OVNI, qu'ils ont bien voulu mettre dedans, ça c'est un autre sujet, et ça a fait, d'ailleurs, quand ils ont ouvert le premier jour, ça a fait exploser les serveurs du GEPAN. Je crois qu'ils ont eu du mal à s'en remettre, mais ils n'ont jamais compris ce qui s'était passé, mais il y avait tellement d'accès de tous les pays du monde. Et les mecs se sont dit, ah ouais, quand même. Et là, les Anglais se sont dit, ok, bah nous, on va faire l'œuvre de transparence, on va faire pareil. Les Américains, avec le Freedom of Information Act, qui avait été voté par Clinton, si je ne dis pas de conneries, peuvent demander, alors il faut faire des demandes circonstanciées. Je crois que Jean-Gabriel Grélet, qui avait été formé comme pilote de chasse aux États-Unis, puis ensuite qui a fini comme commandant de bord Air France, lui aussi,
a beaucoup parlé de cette histoire, puisqu'il avait récupéré énormément de documents, lui aussi, puisqu'il a eu des cas OVNI. Et donc, comme il voulait s'instruire là-dessus, il a demandé aux Américains de lui filer des documents. Et les Américains lui ont envoyé des documents qui étaient classifiés, parce qu'il a utilisé ce droit-là à obtenir ces documents. Donc là, on a quand même une œuvre de transparence qui n'avait pas été faite depuis très longtemps, puisqu'en général, quand tu écrivais au GEPAN, ils ne te répondaient pas. Pas forcément parce qu'ils avaient quelque chose à cacher ou qu'ils ne voulaient pas, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de personnel pour le faire. Ils sont trois Pékins dans un bureau, ils n'ont pas de budget, donc voilà. Mais au moins, le bureau existe. Et beaucoup de nos pays nous envient le fait qu'on ait un bureau en France. Le GEPAN sert à archiver les cas. C'est-à-dire qu'en fait, on leur envoie des cas. S'ils peuvent les expliquer, tant mieux. S'ils n'expliquent pas, ils archivent. Ça peut servir plus tard, on ne sait jamais. Les Anglais ont fait pareil. Les Anglais décident de sortir les cas. Et là où c'est très intéressant, c'est que si tu vas te connecter sur le site du MOD et que tu demandes les cas OVNI britanniques, le cas de Calvin, il n'est nulle part. Sauf que le cas de Calvin, le dossier de l'armée britannique est ressorti dans la presse. Donc, les Britanniques, il n'y a pas de cas de Calvin, sauf que le dossier de l'armée, il est là, avec les expertises de l'armée et tout. Il a fuité, en fait. Je pense que comme aux États-Unis avec le cas Elizondo, c'est une hypothèse, je ne sais pas le fin mot de l'histoire, mais je pense que dans l'armée britannique, il y a aussi des camps contraires, des vents contraires, et des gens qui ont dit, bah, puisqu'ils ne veulent pas le sortir celui-là, nous on va le sortir. Parce que nous on pense qu'il y a un sujet. Donc on va sortir ce cas-là, et que le truc a fuité. Donc, alors maintenant qu'il a fuité, maintenant qu'il est sorti, est-ce que ce cas, penchons-nous là-dessus maintenant, est-ce que ce cas, d'après toi, est sérieux? Je crois savoir qu'il y a plusieurs théories. Hein. Vas-y, ouais, on t'écoute ça. Il y a une petite chose rigolote, c'est que quand la presse l'a sorti, là, vous pouvez trouver sur Google Images, hein, vous tapez Calvin, alors ça s'écrit C-A-L-V-I-N-E, ou Pete Lockrie, alors Pete Lockrie, P-I-T, et Lock, comme l'anglais, R-Y derrière. Alors Pete Lockrie, c'est pareil, hein, c'est juste l'un à côté de l'autre. Si vous tapez Calvin UFO, vous allez avoir la photo originale, plutôt en noir et blanc, et vous allez avoir une image en couleur, de meilleure définition, qui est en fait une infographie. Et cette infographie a été faite par les infographistes de la presse anglaise au moment où ils avaient prévu de sortir le truc et au moment où ils allaient sortir l'article, bah, ils n'étaient pas encore tout à fait sûrs que, du point de vue légal, je pense, ils avaient le droit de lâcher la photo comme ça au public. Et donc, comme ils étaient un peu embêtés, ils ne savaient pas quoi faire, ils ont pris la photo originale et l'ont fait faire par un infographiste, c'est carrément cool, hein, qui est assez fidèle, très franchement, à la photo originale. Et ça, c'est très amusant parce que finalement, encore un rebondissement, la photo originale sort tout de suite après. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dû avoir le feu vert des avocats. Ils disent, vous pouvez la sortir, c'est bon. Le truc sort, est disponible partout, en haute def. On le trouve à la 1080p sur Internet assez facilement. Et donc, ça valide quelque part les dires de plus de 10 ans de Pope, qui depuis 2016, depuis 2016, nous dit sur tout le reportage que ce truc existe, mais sans aucune preuve. Or, le truc sort, et pas de son fait. C'est-à-dire que là, ce truc sort, lui, il est aux États-Unis, ça sort en Angleterre, et donc, sans préjuger du fond de l'affaire, en tout cas, ce qu'a dit Pope jusqu'ici semble se confirmer. Il dit, voilà, j'avais un cas intéressant, je ne sais pas ce que c'est, visiblement, toutes les analyses qu'ont menées l'armée, on ne sait pas du tout ce que c'est, ça n'a pas de chez nous. Alors, il y a des idées, il y a des hypothèses. La zone de Calvin, c'est une zone qui est justement à côté de bases, qui sont des bases qui servaient à l'entraînement des pilotes britanniques qui se préparaient à aller au-dessus de l'Irak pour la guerre du Golfe. À l'époque, on se préparait très sérieusement parce qu'on était persuadé que l'Irak, c'était un sujet sérieux, que c'était un gros bail et qu'ils avaient vraiment une armée avec les meilleures technologies russes, etc. Et donc, ça n'allait pas être si simple que ça. Ça allait être coton. On parlait de la troisième armée du monde. C'était un peu de propagande hein, du bloc occidental, mais on en était là. Donc, en fait, les gens se disaient, ça ne va pas être si facile que ça. Ah, bon. Et donc, les types s'entraînaient sérieusement en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et en Angleterre, il y a beaucoup de bases américaines. Donc, on a du matos américain qui arrive de tous les côtés. La guerre du Golfe, c'est le premier déploiement du F-117. C'est-à-dire qu'on va faire la première vague de bombardement avec des avions furtifs que pour l'instant personne ne connaît. Les Américains, d'ailleurs, ont été assez surprenants quand ils ont décidé d'exposer le F-117 au salon du Bourget ces mêmes années. Ce qui était quand même un truc hyper classé, ultra secret pour l'époque,
mais ils en parlaient parce qu'ils étaient quand même fiers de leur bébé, c'est-à-dire voilà, avec des ordinateurs, on a réussi à faire voler une brique, et en plus, votre brique, vous ne pourrez pas l'avoir au radar. Donc quand on a décidé de vous mettre une bombe sur la tronche, vous ne nous verrez pas arriver. Et ça, je veux dire que les Russes ne devaient pas être contents, hein, parce que quand ils ont eu ce truc-là, eux, ils étaient très très loin de cette technologie-là. C'est très rustique, hein, le matériel russe, donc ils se sont dit, merde, là, on a quand même des années dans la vue. Et c'est vrai que même quand tu allais au Bourget et que tu allais voir l'appareil, tu te disais, ah ouais, quand même, quoi, ils sont forts, ils sont forts. Donc les Américains envoient le F-117. Le F-117, pour aller là-bas, il doit traverser l'Europe, et donc, il doit survoler l'Angleterre, la Belgique. À peu près à la même période, on avait les triangles. Mais ce n'est pas du tout, d'abord, le F-117, ça fait du bruit. Ça peut voler de nuit, et ça volait souvent de nuit, d'ailleurs, pour des déploiements, pour éviter justement de se faire voir. C'est quand même plus logique. Et on était sur un truc qui ne cadrait pas vraiment avec les triangles noirs de Belgique, de Penn et tout ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a un événement historique et en superposition de l'événement, on a des manifestations OVNI. Donc on peut dire, c'est des gens qui n'ont pas trop compris ce qu'ils avaient vu ou qui ont mal jugé des proportions, mais on n'est pas du tout dans le même cas. Les triangles de Penn, c'était du statique, des trucs qui n'avaient pas de bruit. Les 117, ça file, hein, ça fait à 3 000 km/h, c'est très vite. Donc, là, pas 3 000 km/h, pardon. Donc, on est sur un truc où on a du matériel américain qui se déploie. À l'époque, les Américains travaillent aussi sur d'autres trucs. Les satellites ne sont pas en permanence sur un site. Un satellite, c'est sur une orbite, ça tourne autour de la Terre. Donc, en fait, on a des rotations. Et quand il va couvrir un pays, une zone hostile par exemple, il ne va pas la couvrir à la seconde après seconde, à H24. Il va faire des passages. Et après, pendant 2 heures, il n'y a plus de satellite. Après, il va revenir. Après, il n'y a plus de satellite. Après, il va revenir. Donc, pour savoir exactement, à la minute près, ce que fait l'ennemi, soit il faut beaucoup de satellites, soit il faut envoyer des avions espions comme les U2 pour couvrir les plages où les satellites ne sont pas là. D'ailleurs, on a des U2 au-dessus de l'Ukraine. Il y a plein de U2 en ce moment en Angleterre qui font la navette. Donc, c'est un avion qui n'est pas du tout obsolète, celui-là. Par contre, il sert toujours. Et on avait des projets de ballons furtifs, ce qu'on appelle des stealth blimp. Alors ça, si vous tapez stealth blimp sur Google Images, vous allez avoir pas mal d'images de projets. Des trucs très surprenants, dont des stealth blimp géants en forme de V avec des spots en dessous qui correspondent, mais alors trait pour trait, à ce qui a été vu au-dessus de Phoenix. Ça, c'est un autre sujet. Mais si vous vous intéressez à la compagnie, parce que c'est des partenariats public-privé et armées privées. Donc, en fait, c'est des boîtes privées, publiques, qui fabriquent pour l'armée des projets. Ils ne communiquent pas trop dessus, et parce que l'armée ne peut pas tout faire. Donc, en fait, elles contractent beaucoup des privés, c'est moins cher. Voilà. Et donc, grâce à ça, on peut avoir accès à des informations. Ça avait été fait uniquement sur des sites militaires, on s'en serait classé secret, ils auraient protégé un peu les prototypes. Et donc, ces prototypes de ballons furtifs, on peut imaginer que, gonflés à l'hélium, vous mettez une nacelle en dessous, avec des systèmes de détection, c'est-à-dire des caméras, des systèmes de transmission, et vous avez un ballon. Pour que le ballon soit furtif, il faut qu'il réfléchisse ses ondes radar. Donc là aussi, il faut que ce soit un système avec des plans plats, à angle arrêté aigu pour pouvoir réfléchir les ondes radar sur des directions différentes que le système émetteur. Donc là, on peut imaginer qu'un losange, ça pourrait correspondre surtout à l'horizontale à un ballon de ce type-là. Sauf que au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire longtemps après, ces systèmes ne seraient plus forcément d'actualité, on pourrait imaginer que ces systèmes n'existent plus. Ou auraient été déclassifiés, et que les gens qui l'ont développé, bah oui, sur la guerre du Golfe, on avait utilisé ces systèmes, bon, maintenant on a beaucoup mieux, mais on avait ça. C'est jamais sorti, jamais. Personne n'en a parlé. Alors, on peut faire un parallèle en disant, quand il y a eu l'affaire au-dessus d'Abbottabad pour aller chercher Ben Laden dans sa maison dans laquelle il était planqué au Pakistan, les Américains ont développé des hélicoptères spécifiques tout en carbone, ultra furtifs, qui ont été faits pour cette mission. Il y en a un qui s'est crashé, malheureusement, pendant l'opération, et les débris ont été récupérés par les Chinois, ils ont été donnés par le Pakistan aux Chinois. Donc, grand témoin des Américains. Et depuis, à part le film Zero Dark Thirty, qui a été fait avec Jessica Chastain, qui est un excellent film, d'ailleurs, qui est très bien documenté, où on voit des modélisations d'hélicoptères qui sont très fidèles
d'après les anciens GI qui ont participé à l'opération et qui ont écrit des bouquins derrière, ils disent que ça ressemble exactement à ce qu'on avait. Cette truc-là, il n'y a aucune photo officielle dans la. Alors, ça commence à dater, là, l'affaire Ben Laden. Donc, en fait, ce n'est pas parce que c'est des anciens systèmes que forcément c'est déclassifié. Ils ont leurs petits secrets, les Américains, surtout quand des fois ils font de la merde. Donc, on peut aussi faire un parallèle avec l'affaire Cash Landrum. Alors, l'affaire Cash Landrum, c'est une affaire d'OVNI qui est assez ancienne en réalité. C'était aux États-Unis. Deux femmes et leur petit-fils, donc des femmes assez âgées, qui étaient des femmes retraitées, qui décident d'aller faire une partie de bingo, comme aux États-Unis, on a des petites villes, on s'ennuie là, le soir. Donc on va dans la salle polyvalente de la mairie et ils organisent des bingo. Alors c'est ce qu'avec des petits numéros sur les petites grilles, et puis à la fin, tu gardes la fin de la soirée, tu as mangé ton petit thé et tes gâteaux, tu gagnes un ours en peluche. C'est très américain, ou anglais, les anglais aiment bien ce truc-là aussi. Et donc ils reviennent après leur soirée de bingo, et au milieu de la route, ils traversent une espèce de bois, et ils se retrouvent survolés, là aussi, par un immense truc en forme de losange. Mais cette fois-ci, non pas à l'horizontale, mais à la verticale, avec une espèce d'orifice en dessous qui crache des espèces de flammes un peu orangées, mais visiblement avec des espèces d'étincelles. Finalement, le truc va pas bien, quoi. Et les deux nanas commencent à dire « Bon, bah, nous, on s'arrête avec la voiture parce que c'était quand même pas anodin. » Et on sort de la voiture où tout d'un coup on sent une chaleur énorme parce que le truc nous passe quasiment au-dessus et on voit des hélicoptères. Alors, elles décrivent comme des Chinook, c'est des hélicoptères de transport américains de très gros volume qui entourent l'appareil et qui le suivent, qui passent au-dessus de la route, ils traversent la route et ils partent derrière les arbres. Et elles sont survolées à assez basse vitesse par l'engin qui est assez impressionnant, qui ressemble un peu à une montgolfière, mais comme si vous aviez un losange. Donc, elles décrivent ça comme un truc en forme de diamant. Et elles ont, quelques temps après, des séquelles de leur. En fait, elles ont des syndromes d'irradiation aiguë. On sait aujourd'hui, beaucoup d'ufologues qui ont travaillé sur le cas, que ce soit au MUFON aux États-Unis, il y a quand même quelques personnes sérieuses au MUFON, ont travaillé sur le cas. On retrouvait en fait des analyses qui ont été faites par l'armée, les analyses médicales de Betty Cash, Vicky et Colby, qui était le petit-fils, Landrum. L'affaire a eu lieu le 29 décembre 1980, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ça. Donc c'est quand même assez loin, mais c'est juste 10 ans avant Calvary. Et les types disent ouais, elles étaient irradiées. Donc, elles ont été visiblement irradiées. Et ça a été à un point où, quand elles ont demandé des comptes à l'armée, l'armée leur a dit « circuler, il n'y a rien à voir. On va vous suivre pendant un ou deux ans. » Donc, ils ont fait des tas de mesures, ils les ont auscultées, elles perdent leurs cheveux, elles avaient des cloques sur la peau, enfin, vraiment des signes d'irradiation. Le seul qui a été à peu près, si je ne dis pas de bêtises, c'est le petit-fils, Colby Landrum, parce que Colby Landrum n'a pas voulu sortir de la voiture, il était terrorisé. Donc, en fait, il est resté protégé un peu comme dans une cage de Faraday par la voiture, et donc il a un peu échappé, on va dire, aux émanations. On sait aujourd'hui que les Américains, à l'époque, essayaient de développer des moteurs nucléaires, donc ils essayent toujours, hein, ils en ont, hein, ça ne marche pas des masses, ils en ont fait pour faire des tests, pour essayer d'avoir des systèmes qu'on pourrait, par exemple, dans des avions comme le SR-71, avec qui on pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre, sans faire du refuel avec des avions de ravitaillement. Des avions ravitailleurs qui sont obligés de remettre du fuel dans l'avion, parce qu'au bout d'un moment, ça va tellement vite que ça crame énormément de kérosène. Donc, ce n'est pas du kérosène, hein, c'est également du carburant pour fusée. Et donc, pour éviter ça, avec du nucléaire qui envoie, on va dire, d'énergie en permanence, donc ils avaient essayé de trouver un truc. Les Russes aussi travaillaient sur des moteurs nucléaires, ils avaient fait des petites chaudières nucléaires miniatures pour des sous-marins spéciaux, qui s'appellent les Américains de l'OTAN appelaient ça des Tiki Tull, donc ça faisait des théières en fait, parce qu'en fait c'est genre, bon, c'est une bouilloire, hein, une centrale nucléaire, c'est plus ou moins, et des trucs qui fonctionnent plutôt bien. Est-ce qu'il y a un lien entre Calvin et l'affaire Cash Landrum? Ce n'est pas avéré.
il n'est pas impossible que ce soit un système qu'ils ont voulu déployer au-dessus de l'Irak. Mais enfin, il aurait pu faire un essai au-dessus d'une zone pas trop fréquentée comme la zone de Calvary, mais c'est quand même une zone assez touristique. Et là, ça ne tient pas. C'est comme les apparitions d'OVNI au-dessus des villes, quand on dit que c'est probablement un prototype américain. Que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, n'importe qui, on ne fait jamais de déploiement de prototypes au-dessus des villes, des habitations. On a toujours des zones d'essai, ce qu'on appelle des polygones. Pourquoi ? Parce que si ça merde et si le truc s'écrase, il va falloir expliquer aux familles après. Et ça, ce n'est pas un risque à prendre. Si on peut ne pas le prendre, on ne le prend pas. Par exemple, nous, les Français, on a un centre d'essai qui est à côté de Biscarrosse pour essayer nos missiles nucléaires. Bon, on les lance au-dessus de la mer. C'est des faux. Il n'y a pas de tête nucléaire. Mais pour tester le vecteur, on les lance au-dessus de la mer. Si ça tombe dans l'eau, ça tombe dans l'eau. Par contre, les Chinois, par exemple, ont des centres d'essai en plein milieu des terres. Donc, en fait, quand ils lancent leur fusée et que ça merde, ça tombe sur les villageois. Et d'ailleurs, les villageois doivent ramasser les débris et ont une prime assez conséquente, d'ailleurs, en argent pour ramener les débris, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui se trimballent dans la nature et qui iraient entre de mauvaises mains. Voilà. Sauf que dans les carburants de fusée, il y a l'hydrazine, c'est ultra cancérigène, mais ça, les Chinois, ils s'en foutent, c'est pas grave. Donc voilà, donc on peut penser à ces cas-là, Calvine avec Cachandrum. Mais il n'y a pas de lien non plus, mais ça pourrait être un lien. On pourrait penser, parce que l'affaire Cachandrum, on a à peu près des gros doutes sur une dissimulation de l'armée américaine pour un prototype qui n'était pas viable et qui visiblement merdait pas possible et qui a irradié les trois témoins, que l'armée n'a jamais voulu le reconnaître. Ce ne serait pas la première fois, pas que les Américains, il y a d'autres pays qui ont fait des trucs pas possibles. Nous, quand on a fait des essais nucléaires dans le Pacifique, on a un peu irradié tout le monde dans la zone, et puis après on les a étudiés un petit peu pour voir s'ils n'étaient pas trop malades, mais on ne les a jamais indemnisés. Donc voilà, on n'a pas de leçons à donner aux autres, on est capable de le faire, ça. Mais on sait aujourd'hui, grâce à Lou Elizondo, mais pas que, et que ça commence à parler de plus en plus dans d'autres pays, qu'il y a certains cas qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Je ne dis pas que l'affaire de Calvine, c'est forcément un objet exogène qui est apparu, mais au vu de ce que disent aujourd'hui les plus grands spécialistes de la recherche en armement aux États-Unis, on va parler de la France tout de suite, avec la commission Sigma 1 et 2, et 3AF, des gens qui ont travaillé en France chez Aérospatial, chez Airbus Military, chez Thales, chez Astrium, un type comme Luc Dini qui a en fait dirigé toute la missilerie aérienne française, donc c'est un type qui est au plus haut niveau de secret défense qui peut exister. C'est pas des rigolos les gars, c'est des ingénieurs de plus haut niveau. Vous avez dans Sigma 1 comme consultant Anders Fogh Rasmussen. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un Danois qui a été le secrétaire général de l'OTAN. Ce n'est pas des rigolos. C'est tous ces gens-là qui travaillent sur les ovnis. Les ovnis, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Ce n'est plus un sujet de plaisanterie. C'est fini. On est aujourd'hui avec ces gens-là qui ne nous disent pas tout, mais qui viennent quand même nous faire des conférences. Il est intéressant juste de dire comment la commission Sigma en France, qui est un peu l'équivalent du S2A, qui est statut civil ou militaire, parce qu'il y a aussi beaucoup de militaires au sein de Sigma, dont faisait partie Grillet, d'ailleurs le premier Sigma, qui a été fondé par Bouillet et Scheller. Bouillet et Scheller étant tous les deux francs-maçons du Grand Orient, je crois. Quand il a fallu monter une structure avec une accumulation de compétences de gens qui connaissaient la physique, qui connaissaient parfois la théologie, qui étaient des témoins, qui étaient accrédités secret défense, qui ne pouvaient pas parler à tout le monde, qui étaient des gens de l'armée, des techniciens air et espace, les meilleurs dans leur catégorie. On pouvait faire appel qu'aux francs-maçons, parce que c'est les seuls qui ont la capacité d'avoir les contacts pour pouvoir mettre en synergie les meilleures compétences possibles. C'est pour ça que quand on a reconstruit après la guerre sous De Gaulle, on a fait appel aussi aux maçons pour faire les administrations, parce que c'était les seuls qui avaient encore des listes de noms, il faut mettre un tel dans telle préfecture et tout, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient disparu. Et donc, Boudier et Scheller ont fait le boulot, ils ont commencé à monter le truc,
Et ensuite, bah, c'est parti avec, on a eu en consultant avec des pilotes de chasse, dont des gens dont les témoignages, par exemple, de cette affaire du Mirage 4 de 77. Alors, le Mirage 4, c'est quoi ? C'est un avion, c'est un Mirage, un très grand Mirage, biréacteur, donc avant le Rafale. Alors, pourquoi biréacteur ? Parce qu'on considérait que les monoréacteurs présentaient trop de risques en cas de panne de moteur. Donc, un biréacteur, si un moteur tombe en carafe, on peut éventuellement ramener l'avion à la base avec un seul moteur. Un monoréacteur, si le moteur tombe, bah, vous n'avez plus qu'à vous éjecter, c'est fini. Pour des avions qui étaient classés secret défense, comme le Mirage 4, qui étaient quand même des avions stratégiques, qui balançaient des bombes nucléaires, théoriquement, on essayait de limiter le risque. Et puis, il y avait aussi des problèmes de rayon d'action, de vitesse. C'était un avion qui allait très, très vite et qui était opéré par un pilote et un navigateur bombardier. On entraînait, pour ce faire, des équipages qui étaient parmi l'élite, la crème de l'aviation française, les meilleurs pilotes, les plus stables, vraiment des gens qui connaissaient l'aviation sur le bout de leurs doigts et qui étaient là aussi d'immenses professionnels et loin d'être des rigolos. Donc on a, en 77, un cas où on a un Mirage 4 qui est entre, je ne dis pas de bêtises, je mettrai le lien, hein. C'est entre Dijon et Troyes, dans un couloir d'essai de l'armée, qui font de nuit une navigation, et c'est le 7 mars 77. Le capitaine Abraham et l'officier de bombardement, et le colonel Giraud est le pilote. Et l'officier de vol. Au moment où ils sont en train de faire leur manœuvre, ils se font approcher par une sphère lumineuse qui les colle littéralement, que ce soit au train ou au niveau du cockpit. Le truc s'approche. C'est pas une sphère de très grand diamètre, ça fait peut-être 1 mètre, 2 mètres maximum. C'est assez lumineux, mais lorsque décide de voir ce que c'est quand même un avion, donc il faut protéger l'appareil et les pilotes. Donc quand on ne sait pas trop ce que c'est, bah, on essaye de s'écarter. Donc les types font une manœuvre d'évitement, c'est-à-dire qu'ils vont pousser le manche et essayer de sortir de l'enveloppe de vol de l'intrus. Et l'intrus se met à faire un virage pour les suivre, c'est-à-dire il les colle littéralement. Et ça, déjà les types se disent oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que normalement, même si c'est de la foudre en boue, n'importe quoi, ou on ne sait pas ce que c'est, ça ne peut pas nous suivre. Surtout ce diamètre-là, ce n'est pas un appareil piloté. À l'époque, on est en 77, il n'y a pas de drone, il n'y a rien. Hein, genre, c'est pas... Il y a des drones, mais c'est des trucs à réaction immense, ça ressemble à rien. Donc les types se disent, c'est ça. Donc ils font 10 000 manœuvres et le truc leur colle au train. Le truc se barre au bout d'un moment. Donc, les mecs reprennent leur vol. On a un peu la même histoire qu'avec Jack Crane. Mais avec un objet différent. Les types reviennent sur leur enveloppe de vol pour se dire, bon, on va essayer de reprendre notre exercice. La boule revient et recommence à coller au train. Donc le type dit, bon, bah, moi, hop, je vais pousser le manche dans l'autre sens. On va voir ce qui se passe. La boule se met au niveau cockpit, à quelques mètres du pilote, quoi, vraiment, et elle se met à virer en même temps que l'avion, en parallèle. Et là, le type se dit, ça, c'est un comportement, comme disait Creed, c'est un comportement tactique. C'est-à-dire que c'est un comportement qui est intelligent. Ça n'existe pas dans la nature. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Et là, les types se disent, on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, les types atterrissent, ils font un rapport. Aujourd'hui, à part le témoignage, d'ailleurs très courageux, d'Abraham et Giraud, qui sont restés en contact, et qui ont été d'ailleurs ressortis l'anonymat par Stéphane Alix, dans un de ses reportages, on mettra le lien, Stéphane Alix va les voir chez eux et ils racontent leur histoire. Ils disent, mais nous, on n'a pas de préconception de ce que ça peut être. Mais en tout cas, encore au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On a eu d'autres pilotes qui ont eu des cas. Fartek était aussi un pilote qui était officier. Un jour, il est chez lui et au fond de sa propriété, il y a un champ. Dans le champ, il y avait un truc ovoïde qui était en sustentation devant un bois. Un truc d'assez grande taille quand même.
Il dit, je savais que c'était solide parce qu'on ne voyait pas les arbres au travers. On voyait les arbres au-dessus, en dessous, parce que c'était au-dessus du champ, et ça oscillait. Et il dit, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'est barré, comme ça. Et ce n'était pas de chez nous. Qu'est-ce que c'est ? Là, on n'est pas sur des gens qui sont des pseudo-gourous de secte. On est sur des gens qui ont mis déjà 20 ans avant de parler. On est sur des gens qui ont fait des rapports à leur hiérarchie, qui ont été classés dans les archives de l'armée de l'air, dans des trucs à étudier. Ces archives, elles ne sont pas au GEPOINT, elles sont nulle part. C'est clair que ce n'est pas des rigolos en déguisement. Ouais, c'est clair. Ouais. Pas du tout. C'est pas... Qui se baladent à Paititi. Ouais. Ces gens-là, ils sont formés, avant de prendre le manche d'un avion, à reconnaître tout ce qui vole et tout ce qui est opéré par tous les pays du monde. On les met même, ils sont classés, ils ont des accréditations au secret, donc on va leur montrer des catalogues d'images, de diapositives, avec les silhouettes de tous les prototypes américains qu'on connaît. Même ceux dont les Américains se disent « Non, les Français, ils ne savent pas. » Mais on sait plein de trucs. Donc on leur dit « il y a ça. » Voilà, ils ne les verront jamais. Dans leur... Mais on dit « Voilà, si vous êtes amené à voir un truc qui ressemble à ça, ça peut être tel pays. » On ne sait jamais. Ils sont formés. Les types voient ça, c'est pas, ça sort du cadre. Bon. Là, on est en 77. Mais alors, comme tu as changé de sujet là, parce qu'en fait, tu n'es plus sur le cas de Calvin. Ouais. Et la possibilité du Nil, comme titrait un certain Michel Houellebecq, cette théorie est-elle crédible ? La théorie de l'Nil dans le cas de Calvin. Après, je te laisserai donc poursuivre ce que tu disais. Deux éthiciens qui, moi, je trouve, font toujours des travaux absolument incroyables. Il y a une des premières analyses de la zététique qui était très, très rigolote, c'est qu'il y avait une surabondance de photos d'ovnis aux États-Unis prises par des gens qui prenaient de chez eux, par la fenêtre. Et en fait, les types ont montré qu'en fait, les gars prenaient le plafonnier chez eux, qui était dans le salon, qui était lumineux, et en fait, ils prenaient le reflet dans la vitre, et avec leur appareil photo, on avait l'impression que c'était derrière la vitre. Mais en fait, quand tu étudies bien la photo, tu vois très bien que c'est, il s'agit d'un plafonnier, c'est une lampe. Et les types postaient ça sur Internet. « Ouais, j'ai eu des ovnis. » Et donc, ça a été des trucs qui ont permis de débunker, de déstresser des gens aussi, parce que des fois, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, sur l'affaire de Calvin, les types disent « Écoutez, moi, je pense qu'en fait, il y a un lac, et que dans le lac, en fait, il y a une île. Ce qui, vu le grain de la photo, n'est pas impossible, parce qu'en fait, quand tu regardes le grain de la photo, tu te dis « Ouais, ok. » C'est la théorie, elle n'est pas impossible. Il dit voilà, c'est juste un reflet. Parce qu'en fait, vous avez une espèce d'îlot en forme de triangle. Et en fait, le reflet dans l'eau fait que vous avez l'autre partie du triangle et ça vous fait le losange. Et comme l'eau, en fait, avec la photo est de mauvaise qualité, elle n'est pas au niveau numérique, vous avez l'impression que le truc est en sustentation dans l'air, mais en fait, pas du tout. Là où c'est assez cocasse, c'est que ces types qui passent leur temps à dire « Voilà, nous, on va débunker les montages photos pour avancer ce cas-là et prouver leur hypothèse », on fait un montage. Les mecs font des fakes pour prouver que c'est un fake. C'est assez rigolo. Mais ce n'est pas idiot. Sauf que dans le dossier qu'a fait Air Force, on les croit, on ne les croit pas. Les types disent « Voilà, nous, on a étudié la photo ». Et le ciel qu'on voit derrière, parce que sur la photo originale qui est de meilleure qualité, on voit qu'il y a des nuages, ce n'est pas une réflexion dans l'eau. Et ça, on peut très bien le voir sur une analyse photo poussée. Ils disent cet objet est bien en l'air. Et cet objet n'est pas un faux. Et ce n'est pas un objet, par exemple, une maquette faite en papier avec du balsa qu'on aurait mis à quelques mètres de l'objectif. Et c'est un gros truc qu'on estime à 30 mètres qui est en l'air. Bon. L'analyse a eu lieu au début, au milieu des années 90, probablement, un peu après la prise de la photo. Il faudrait relancer des analyses aujourd'hui avec des systèmes plus poussés. Si on a des faux. Les négatifs, il n'y a rien de meilleur. Parce que les négatifs, pour voir les altérations, on voit tout de suite, avec des scanners à négatifs, on voit tout de suite. Donc, ça ne valide pas pour autant le cas, mais c'est assez cocasse. C'est-à-dire que la tête te dit. Moi, je pense que c'est ça. Mais alors, après, il dit, c'est pas sûr, c'est une hypothèse. D'ailleurs, je vais vous faire un petit fake pour vous montrer que mon truc est crédible. Alors, c'est vrai que sur la photo, c'est crédible.
Mais moi qui suis infographiste de formation, je peux aussi vous mettre une tête d'éléphant sur le président. Ça sera très bien fait. Voilà. Je vous fais Ganesh, hein, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour autant que le président a une tête d'éléphant. Donc, ça marche dans un sens, et ça marche aussi dans l'autre sens. Alors, on pourrait se dire, OK, le cas reste encore un cas qui fait débat. Il fait débat, parce qu'en réalité, on a très peu d'éléments. Mais on a quand même, si on prend, on va dire ça sur un point de vue psychosocial, on a quand même l'idée que Pop, depuis le début, disait la vérité. C'est-à-dire, cette photo existe, le dossier existe, il a été analysé, tout ça. Ce qui semble, alors là on est en plein milieu du cas, donc on a des trucs qui vont sortir encore, ce qui semble être aussi amusant, c'est que visiblement les deux témoins, qui étaient les apprentis cuisiniers, qui étaient dans l'hôtel à côté, qui se baladaient, qui ont pris la photo, ont été retrouvés. Et que visiblement dans le monde anglo-saxon, on peut les contacter et après leur demander s'ils veulent participer à ci ou ça. Et dans le monde anglo-saxon, ça se fait contre rétribution. C'est-à-dire qu'en fait, on paye les gens. La presse people ou même la presse grand public ou la presse généraliste, elle va donner une rétribution. Donc en fait, c'est assez particulier. Il y a des contrats qui se font, des machins, des droits à l'image. Voilà. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais les deux vont sortir du bois. Peut-être on retrouvera les négatifs et on aura le fin mot de l'histoire. On aura peut-être rien, on dira on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Ou peut-être on nous dira oui, bon, finalement c'est un fake, c'est une possibilité. Ou on nous dira ouais, c'est peut-être, on ne sait pas, la photo a l'air vraie, voilà. Tout en sachant que dans les cas ovnis les plus sérieux, et il y en a qui posent vraiment des problèmes. Il semble que ce soit extrêmement difficile de faire des photos de ces engins. Parce que assez rapidement, la photo ne se développe pas, la photo est voilée, comme si l'engin avait des contre-mesures pour se montrer. C'est Marie-Thérèse de Brosse qui avait d'ailleurs une expression qui a été très amusante, qui s'appelle la monstration. C'est un peu pénant comme expression, mais c'est pas trop mal trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, Jacques Vallée disait la même chose. Jacques Vallée dit: moi, j'ai étudié ça pendant plus de 50 ans. J'ai toujours du mal à comprendre ce qui se passe. Mais visiblement, il y a quelque chose qui se montre à nous. Et je pense qu'il s'agit d'une sorte d'apprentissage. C'est-à-dire que ça se montre à nous par petites touches, comme une sorte de mithridatisation, si tu veux. La mithridatisation, ça vient de Mithridate. C'était une manière de s'injecter du venin de serpent par petites doses progressives pour le jour où quelqu'un veut assassiner le dirigeant de la Grèce antique, eh bien, en lui mettant un serpent dans son lit, eh bien, le mordu va survivre parce qu'il aura été accoutumé au poison par dose progressive. Donc, peut-être il s'agit de nous dire « Coucou, vous n'êtes pas tout seul, on va vous expliquer que vous avez encore beaucoup de choses à trouver ». Et l'humilité qu'on a tous les jours quand on voit, par exemple, les progrès faits par un télescope comme James Webb, par les progrès dans la physique des particules avec le LHC qui se trouve à Lausanne, avec un petit bout qui est en dessous de la France. On a trouvé le boson de Higgs avec le LHC. On a trouvé des tas de particules qu'on n'avait jamais trouvées avant. On ne sait toujours pas ce que c'est. Donc en fait, ça nous apprend l'humilité. Je ne dis pas, on n'a pas la preuve encore. On a des faisceaux qui nous disent, avec des gens très sérieux dans le monde entier, qui nous disent « Écoutez, il y a un sujet, c'est visiblement un truc qui vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où, il y a des hypothèses, soit ça vient d'une autre planète, c'est d'une autre civilisation, qui est peut-être plus avancée que nous, qui nous étudie, comme les anthropologues viendraient voir ce qu'on devient, de temps à autre, ils nous envoient des sondes, et puis qu'est-ce qui gêne cela ? Est-ce qu'ils sont toujours aussi arriérés ou est-ce qu'ils ont fait des progrès ? Soit c'est un truc qui a à voir avec des dimensions, on a du mal à comprendre ce que ce sont les dimensions. Après, on a des scientifiques français qui en parlent, de Klein, qui est un peu philosophe, mais qui parle du temps, durant, au Canada, ou Guillemant, plus proche, qui est un peu plus dans le New Age, mais Guillemant dit des trucs intéressants, parce que Guillemant, ça fait quand même des années qu'il nous dit le monde dans lequel on vit est un monde à plusieurs dimensions. Mais nous, on vient à trois dimensions, peut-être quatre, avec le temps, si on considère que le temps est une dimension. Mais les physiciens aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y a au moins 11 dimensions autour de nous, dans le cadre de notre physique. Mais pour l'instant, ces dimensions ne nous concernent pas, mais elles sont là, elles impactent sur nous. Alors, on est en train de chercher là-dessus.
apprendre aussi la théorie du voyage temporel, qui n'est pas si idiote que ça. Klein est un spécialiste du temps. Il travaille au CEA, il est physicien, c'est un des plus pointus au monde. Durand, au Canada, un spécialiste du temps. Il y a 20 ans, tu parlais de voyage dans le temps, les gens te riaient au nez. Il y a 20 ans, tu parlais d'exoplanètes exactement similaires à la Terre, on te riait au nez. Bon, aujourd'hui, les exoplanètes, on en a quasiment des photos. Et les gens qui parlent de voyage dans le temps disent « Oui, mais la théorie d'Einstein, c'est que le temps est relatif et que le voyage dans le temps, en fait, on le fait tous les jours. Puisque le voyage dans le futur, c'est la théorie des astronautes. T'as un dans la Station spatiale internationale et un qui reste sur Terre, les deux jumeaux. Il y en a un qui va vieillir plus vite que l'autre. Donc, en théorie, il y en a un qui voyage dans le futur. C'est aussi simple que ça. Le voyage dans le futur est possible. Le voyage dans le temps est possible. Le voyage dans le passé, c'est plus velu. Mais ceux qui disaient, il y a encore 20 ans, les meilleurs physiciens mondiaux disaient « Non, il faut rappeler Copernic, Galilée. » Les mecs disaient « Attendez, la Terre tourne, elle tourne autour du Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, » il y en a les trois quarts, ils ont fini sur un bûcher. On les a cramés. Aujourd'hui, bon, on est un peu plus mesuré là-dessus. Il y a très longtemps, il y a ces génies de début de l'astronomie qui nous ont dit les étoiles dans le ciel, ce n'est pas des clous d'or dans du velours. Et d'autres soleils que notre sacrilège, ils ont fini brûlés sur des bûchers. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le phénomène OVNI, comme dans d'autres choses qui sont du domaine de ce qu'on découvre tous les jours dans la physique, c'est passionnant. Et ça nous apprend l'humilité. Ça veut dire que ce qu'on sait aujourd'hui fera rire probablement dans 2-3 générations, dans 200, 300 ans. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on est aujourd'hui à découvrir des choses qu'on ne croyait pas possibles il y a encore 5 ans. On vit une période bénie, et là je reviens au témoignage de Gilles Thomas, et de l'émotion, moi presque ému, enfin je suis ému de penser, de regarder ses vidéos à lui, parce qu'il nous montre des gens qui ont cherché ces réponses toute leur vie, qui sont morts, qui étaient à l'hôpital sur leur lit de mort et qui n'ont jamais eu ces réponses. Et nous aujourd'hui, on est en plein dans cette période où, malgré des réticences, où les Américains nous disent « Non, non, on s'est foutu de votre gueule pendant 50 ans, non, non, ça existe, non seulement ça existe, mais on n'a jamais lâché l'affaire. » Et on a quand même, et on brief les tous les présidents. Cette histoire est une légende. C'est-à-dire qu'un nouveau président américain, le mec, il est briefé. On lui dit, ouais, les extraterrestres existent, les gars, ils sont là. Mais bon, ils ne présentent pas une menace, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. S'ils s'y présentent une menace, soit on le saurait, soit elle est là, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas stratégique. Donc, en fait, on est à un moment de notre existence où on a la chance d'être à ce moment charnière, où peut-être, je ne dis pas qu'on va avoir toutes les réponses, mais enfin, tous les gens, comme toi, Olivier, comme tous ceux, comme je portais à Patrice Galactéros, comme tous ceux, même, tu vois, on parlait de Jean-Pierre Petit, qui se sont dit, là, il y a peut-être un truc intéressant. Et même si parfois, ils ont été un peu maladroits dans leur sujet, qu'on donne la parole à des gens qui partent un peu dans tous les sens, c'est difficile, avec aussi peu de matière concrète, le phénomène OVNI n'est pas reproductible en laboratoire. Pour valider une hypothèse validée de la physique, il faut faire de la reproduction en laboratoire. Le phénomène OVNI, il est aléatoire. On ne sait pas d'où il vient et on a essayé de le convoquer, les Américains ont essayé. Les Américains, pendant les années 60-70, ont fait péter des bombes nucléaires en attendant qu'il y ait des manifestations de boules lumineuses et de trucs qui se pointent. Semble-t-il, d'après ce que dit Elizondo et toute la clique qui était ça, il y a eu des cas où ça s'est pointé. À Amaguir, pour revenir sur ce cas, on a un centre qui s'appelle le CIESS, c'est-à-dire le Centre interarmé d'essais d'engins spéciaux. On y mettait des drones qu'on envoyait au-dessus des explosions nucléaires. On avait des avions aussi, c'était pas des mystères, c'est juste que c'était comme avion qu'on envoyait avec des caméras et des capteurs. Bon, les pilotes étaient irradiés, mais bon, c'est pas grave. On en avait deux ou trois qui étaient télécommandés, qui étaient tellement irradiés quand on a fini les campagnes d'essais nucléaires qu'on ne pouvait plus les ramener en France. On voulait les ramener pour analyse, mais ils étaient tellement radioactifs qu'en fait, on a dû les démonter sur place et les enterrer dans le Sahara. On avait, du temps de l'Algérie française, établi des bases. On était en pleine guerre froide et on avait besoin. De Gaulle disait, si on veut l'indépendance stratégique, si on ne veut pas que les Russes fassent le même travail que les Allemands, pour les tenir à distance, ils nous font la bombe nucléaire. Dans le plus grand secret, les Américains nous ont un peu aidés à avoir la bombe nucléaire. On avait d'excellents physiciens, mais ils nous ont un peu aidés. Et donc, l'Algérie étant française,
on avait décidé, dans un endroit quasi désertique, c'est au fin fond du Sahara, entre Reagan et Almaguir, de monter des bases ultra-secrètes sur lesquelles on faisait péter des bombes nucléaires. On avait une espèce de montagne dans laquelle on creusait des tunnels, et puis on faisait péter dans les tunnels des bombes, et après on mesurait tout. Voilà. Pour faire ces essais, on avait construit dans le désert un immense réseau de casemates, des bunkers un peu partout. Alors, il y a des bunkers avec des systèmes de captage de vidéos, de sons pour les ondes sonores, d'autres pour les tremblements de terre, des systèmes sismiques. Et donc, on essayait de savoir comment augmenter les puissances des bombes, comment maîtriser la fission nucléaire dans ces cas-là. Et on avait des opérateurs qui étaient des gens qui avaient des accréditations secret défense, bien sûr, parce qu'ils travaillaient sur les projets les plus secrets de l'armée française. Et ces gens utilisaient du matériel qui était ce qu'on avait de mieux à l'époque, dont des caméras qui s'appellent des ciné-théodolites. Alors, c'était des caméras à très haute vitesse qui faisaient défiler la pellicule à très, 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 très haute vitesse, qui permettaient en fait de voir, lors d'une explosion nucléaire, le déploiement des ondes qui sont quasiment des ondes sismiques, mais qu'on voit, puisqu'en fait, ça fait des espèces de strates, ça fracture en fait le volume d'air autour, et c'est typique des explosions nucléaires, c'est une telle puissance. Et donc, pour étudier la puissance des explosions, on avait ces espèces de caméras qui étaient fabriquées en Suisse, qui étaient les mêmes utilisées de partout dans le monde, les Américains les utilisaient, les Français, tout le monde, et on filmait. Dehors, on mettait en poste les caméras, les ciné-théodolites, et on filmait pendant les explosions. Et ça donne, d'ailleurs, il y a quelques chaînes YouTube qui ont mis en ligne ces films qui ont été faits dans le désert algérien, où on voit vraiment le déploiement de l'explosion avec les ondes de choc qui sont qui se déploient. C'était assez nouveau pour l'époque, et développait ça pas pour faire la guerre, mais pour avoir une assurance vie. Parce que la France était un pays qui était un peu un carrefour à l'Europe, et on se prenait une guerre à peu près tous les 50 ans. 1875 contre les Prussiens, 1914 contre l'Allemagne déjà, et ensuite 1945. On a commencé à avoir ras-le-bol. Donc on s'est dit, un jour on aura la bombe atomique, et le premier qui passe la frontière, on le pulvérise. Et depuis, on vit ce qu'on appelle dans les dividendes de la paix. Tu me demandais ce que valait l'armée française aujourd'hui. L'armée française est une armée qui est extrêmement technologique, qui a de l'excellent matériel, mais en très petite quantité. Donc on serait incapable de tenir un conflit de haute intensité sur la longueur. C'est pour ça que dans les années qui viennent, on va monter le pourcentage du PIB dédié à l'équipement de l'armée. Toutefois, acheter des canons et des missiles, c'est bien, mais il faut aussi former des gens. Et que depuis l'arrêt du service national, on manque de, tout simplement d'effectifs dans l'armée. Mais jusqu'ici, on n'avait pas tellement besoin, puisqu'on faisait des opérations ponctuelles. Donc en fait, là, on a du bon matériel, mais pas en grande quantité pour l'instant. Donc c'est en train de se réveiller. Hein. Les Allemands n'ont rien du tout. Donc là, ils sont en train de se réveiller aussi. Et donc, à l'époque, il nous fallait, pour tenir à distance les ennemis potentiels, il nous fallait le nucléaire. Donc on l'a fait dans le désert du Sahara. Et au moment où étaient déployées ces caméras, on a deux opérateurs qui faisaient partie d'une équipe qui voient arriver du ciel deux sphères métalliques d'aspect un métal un peu gris canon de fusil, mat, complètement lisse. On a des sphères qui font à vue d'œil à peu près 2 mètres de diamètre, qui volent par paire, sans lien apparent, il n'y a pas de câble, il n'y a rien, qui s'approchent en descendant du ciel des opérateurs qui sont en train de déployer les caméras et qui se mettent en stationnaire à quelques mètres. On est à l'époque entre 1960 et 1962. Donc, même dans les drones actuels, on n'a pas grand-chose qui a ce type de comportement. Ça n'existe pas. Et on n'a aucun plan de type L. On n'a pas de louvre, c'est-à-dire des ouvertures pour faire sortir ou rentrer de l'air. On n'a pas de rivets, on n'a pas de jointures, on a des sphères lisses qui viennent voir. Les deux gars disent, voilà, nous on avait quand même l'impression d'être observés, chose que beaucoup de témoins de sphères dans le cas OVNI disent, c'est-à-dire qu'on a une manifestation de sphères, les sphères viennent au-dessus, et on se dit, mais on avait la sensation vraiment qu'ils étaient en train de me regarder, quoi. C'est-à-dire, on a cette sensation, quand, parfois, quand on a la sensation que quelqu'un est dans la pièce, tu regardes, et tu le sens,
Donc tu vas te retourner et tu vois que la personne te regarde. Et là, on a l'impression ça. Donc le témoignage sera en lien. C'est un témoignage qui a été enregistré en 2016 par un retraité de l'armée, qui est un type qui vit en province dans une petite maison. Et il a son petit album de souvenirs avec ses photos de l'époque où il est tout jeune avec ses copains. Il a des photos où il déploie les caméras parce qu'il dit on n'avait pas le droit de faire de photos, c'était secret défense, mais enfin quand même, il fallait qu'on ait un souvenir. Et le type raconte cette histoire en disant voilà, nous, les boules, on les a filmées avec les systèmes de caméras les plus sophistiqués de l'époque, qui faisaient des films qui sont encore aujourd'hui tout à fait potables. On peut faire des trucs en format poster avec des détails incroyables. C'était des caméras qui valaient des fortunes. C'était des moyens formats en type de pellicule avec des émulsions qui étaient très particulières. Donc on a des photos et des films. Donc on a fait remonter ça à la hiérarchie. La hiérarchie envoie des gens. Ils disent bon, on va aller voir ça, vous inquiétez pas, donnez-nous les appareils, toutes les pellicules. Vous dites rien à personne, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et le type dit, j'en ai plus jamais entendu parler. Jamais. Plus personne ne m'a contacté. J'ai demandé qu'on me tienne au courant des tenants et des aboutissants du truc. J'ai plus jamais de nouvelles. Je suis entré, ça fait 50 ans que plus personne. Et ce truc n'est jamais sorti. Donc pour les gens qui disent, en France, aux États-Unis, on ne sait pas garder des secrets, c'est faux. Et je vous le dis d'autant plus que moi, quand j'étais militaire, j'avais des accréditations au secret défense et je savais très bien comment on garde les secrets, comment on compartimente les choses. Quand tu es sur un projet secret, tu vas travailler sur 3% du projet. Et après, tu auras une personne qui va mettre les petits wagons les uns derrière les autres. Et donc, toi, tu n'auras la connaissance que des 3%. Et les 97%, c'est d'autres équipes à qui tu n'as strictement aucun lien qui vont les faire. Les Américains fonctionnent comme ça, tout le monde fonctionne comme ça. On a des cas dont on ne sait pas ce qui s'est passé. On a des cas très connus de la France, l'affaire Ben Barka, par exemple. Pour faire plaisir au roi du Maroc, on a assassiné un de ses opposants. C'est les services secrets français qui l'ont fait, tout le monde le sait. Personne, aujourd'hui, ne sait où est le corps de Ben Barka. Il a probablement été... On l'a fait disparaître. On l'a fait fondre dans l'acide, ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, cette affaire qui date de plusieurs dizaines d'années, personne ne sait ce qui s'est passé. Enfin, il y a des gens qui savent, mais personne ne parle. Même les gens qui étaient dans l'affaire et qui ont probablement pris leur retraite. Il y a une prescription sur une partie du secret défense, et encore. Mon oncle s'appelait Louis Kins, il était au SDEC. Pendant toute sa carrière, quand il m'envoyait des cartes de Noël, il les écrivait à la machine à écrire. Et il signait de son initiale. Quand il m'appelait, il sortait de chez lui, il allait dans une cabine téléphonique. Ça faisait 10 ans qu'il était à la retraite. Pour dire que ces gens-là, le secret, c'est leur métier, c'est leur vocation. Donc dire qu'aujourd'hui on a rien, que les cas ne sont pas sérieux, bah non. Et ces cas-là, ils ne sont pas dans les cas du GEPAN, que le GEPAN a dévoilé. Ces cas-là, ils sont encore dans l'esprit de ces gens qui l'ont vécu, ça les a tellement marqués, qu'encore aujourd'hui, ils en parlent en se disant bah, je sais que je vais mourir, je ne saurais pas. Nous, aujourd'hui, on a un petit bout du voile qui est en train de se lever et qu'effectivement, on a des cas. C'est la bénédiction d'Internet aussi. C'est-à-dire qu'avec Internet, on sait qu'il y a des choses qui se passent dans le monde entier et que, par exemple, les gens qui sont, eux, habilités à faire des recherches là-dessus peuvent, dans la seconde, s'ils ont un doute, appeler leurs copains à l'autre bout du monde. Avant, il fallait prendre un avion. C'était long, c'était cher. Et donc, l'information circule beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, on a beaucoup plus de choses qui sortent. Et ça sort de manière, on va dire, qui nous permet d'envisager qu'on aura quelques réponses, pas toutes les réponses. Ceux qui ont parlé le plus aujourd'hui, il y en a certains qu'on a fait taire en partie, et Elizondo. Elizondo a commencé à démissionner de son IT. Il en a parlé, il a dit voilà, je ne peux pas tout dire. À chaque fois que je sors un documentaire ou quelque chose, je suis obligé de voir mes avocats et des consultants du ministère de la Défense pour savoir si je peux dire ça ou ça. Il avait l'air de beaucoup embêter d'ailleurs le Pentagone. Et au bout d'un moment, ils se sont dit comment on peut faire pour le faire taire ? Ben, c'est simple, on le réembauche, on l'appelle sous les drapeaux. Donc, Biden arrive et dit ben moi, maintenant tu reviens parce qu'on a besoin de toi.
Mais une fois que tu reviens sous les drapeaux, tu ne peux plus parler. C'est fini. Puisque là, tu es réaccrédité secret défense. Et là, tu n'as plus rien à dire. Avant de signer son contrat, Elizondo dit, j'ai vu des vidéos où on voit des occupants. Et on les voit bien. Et j'ai vu, il y a d'autres vidéos où on voit des engins, mais vraiment très près. Il dit, moi, dans mon fort intérieur, j'ai aucun doute que ça ne vient pas de chez nous. C'est pas nous. Il dit, je ne sais pas pourquoi ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils font là. Ce que dit Jacques Vallée. Il dit, ça fait tellement longtemps que ça c'est là qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est un phénomène qui est encore extrêmement déroutant parce qu'il est multiforme. Il est parfois plutôt bienveillant, comme dans le cas des survols d'école, dont je vais parler à l'instant, mais des fois, il peut être un peu inquiétant, comme le cas de Colares au Brésil. Là, dans un petit village de pêcheurs très reculé du Brésil, dans les années 70, on a eu des gens qui se sont fait chasser comme des lapins par des ovnis de plein de formes différentes et qui se sont mis à lancer des espèces de faisceaux lumineux sur des gens qui leur ont laissé des marques, des petites brûlures, ça piquait. C'était... Alors, il y a eu beaucoup de choses fausses écrites sur Colares, qu'il y a eu 3 morts, machin, c'est pas vrai. Il y a eu un... On en a d'ailleurs parlé, tu sais, dans l'émission des 10 ans avec Polyèdre. C'est Polyèdre qui avait choisi ce cas, un cas très intéressant. Que j'avais aussi mis en lumière il y a très longtemps, hein, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a 5, 6 ans, même plus que ça, avec une Brésilienne, tu sais, une femme qui connaissait bien l'affaire, tout ça, l'affaire de Colares, voilà, donc Francesca. D'une manière magistrale. Voilà. D'ailleurs, le bouquin de Bob Pratt, aujourd'hui, je crois, est libre de droit, si je ne dis pas de conneries. Et donc, vous pouvez le trouver en PDF partout. Alors, c'est en anglais, mais il y a beaucoup d'illustrations et des illustrations faites par l'armée à l'époque où ils ont pris les témoignages des gens et quand les militaires sont arrivés pour la deuxième vague, ils ont dessiné ce qu'ils ont vu. Il y a des photos, mais évidemment, les photos à l'époque, c'est pas top. Par contre, ils ont dessiné ce qu'ils ont vu et on a des trucs multiformes, voilà, vraiment des cas ovnis typiques. Voilà. Par contre, on a des cas beaucoup plus bienveillants. C'est ça qui est un peu déroutant. C'est-à-dire qu'on a des fois des cas où comme dans le cas du Zimbabwe. Alors, le cas du Zimbabwe, je le connais un petit peu, puisque j'ai participé de manière très modeste au financement de Ariel Phenomenon, le film qui sort en ce moment. Je pensais que ça valait le coup. Et que le type qui l'a fait, c'est un type qui est assez perfectionniste. Donc, il a peaufiné son truc pendant des années, machin. Et il suit en fait des gamins qui ont été. Alors, le cas d'Harare, c'est un cas qui a eu lieu au Zimbabwe en 1994, que les gens qui suivent ta chaîne connaissent déjà. On a une 60aine d'enfants. Et d'ailleurs, encore un cas qu'on a parlé, qu'on a mentionné dans les 10 ans du Faux Conscience, qui a été choisi par Fabrice Bonvin. Ouais. C'est un cas célèbre que tout le monde connaît. Célèbre, qui est sorti en France par Alix, encore une fois. Qui avait fait dans sa série de documentaires le cas, puis qui avait suivi, comment il s'appelle, le mec d'Harvard, John Mack, qui avait été là-bas pour missionner les enfants, à la demande, je crois. Psychiatre de Harvard. Ouais, qui était tenant de la chaire de psychiatrie à Harvard et tenant du prix Pulitzer pour une monographie sur Lawrence d'Arabie. Donc, c'est un type qui était du tout à fait sceptique au début. Et on a décidé de lui faire auditer les enfants qui étaient témoins d'un cas OVNI très particulier, puisqu'il s'agit d'une RR3, donc en fait une manifestation avec... c'est RR3, hein, les entités... Oui, rencontre du troisième type. Direct. Et donc, les enfants ont été auditionnés par Mac, et Mac dit, voilà, moi, mon boulot, je ne pars pas avec des a priori, mais par contre, dans mon boulot, je sais savoir d'un enfant ou d'un adulte s'il ment ou pas. C'est mon boulot. C'est comme les policiers. C'est pour ça que d'ailleurs, au MUFON, au départ, quand ils ont voulu faire des enquêteurs, ils ont recruté beaucoup d'anciens policiers. Parce que les policiers savaient tout de suite voir si les types ramenaient la couverture à eux pour se faire mousser ou si c'était des gens qui avaient vraiment vécu quelque chose. Et donc, en fait, ça permettait d'élaguer très très vite et de garder que les cas intéressants. Et donc, Mac y va, auditionne les mômes, mais il se rend compte que le cas est... Enfin, quelque chose s'est vraiment passé. Les mômes décident, les mômes sont terrorisés et certains sont complètement dans la stupeur parce qu'ils ont selon leur dire, il y a au moins 3 mômes qui ont eu un contact direct télépathique avec les entités. 2 entités, sorties d'un engin, là encore, ovoïde, de type argent, aluminium brossé, qui se posent derrière un bosquet, chose qui s'est reproduite sur d'autres écoles. Et
dont une en Colombie, ouais, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais reçu. Les humanoïdes font la même taille que les enfants. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que les humanoïdes sortent et ont s'approchent des enfants, et en fait, les enfants se rendent compte qu'ils évitent, ils ne touchent pas le sol avec leurs pieds. Donc, ils sont humanoïdes, anthropomorphes. On peut se demander si on prend le cas au sérieux, que si c'est une sorte de contact, est-ce qu'il s'agit d'être anthropomorphe, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation de poupées biologiques qui sont faites pour faire une espèce d'amorce de contact et de, comme dit Vallée, d'enseignement. Nous, on sait faire aujourd'hui des drones. Demain, on fait beaucoup d'intelligence artificielle. Peut-être demain, on saura faire des drones biologiques ou des copies d'humains. On essaye encore cette semaine, un type qui avait greffé le corps d'un petit chien sur la nuque d'un gros chien. Alors, en fait, ils avaient coupé les pattes du chien. Enfin bon. Voilà, mon Dieu. Pourquoi faire ? Mais bon, après, c'est une recherche, ok, pourquoi pas. Peut-être demain, on saura faire des clones humains, biologiques. Moi, je suis persuadé qu'on y arrivera. Ça va prendre du temps, hein, parce que le corps humain, c'est quand même quelque chose. Mais pourquoi pas ? On manipule déjà des animaux, on fait des animaux transgéniques. Donc pourquoi on ne ferait pas un jour, si on veut prendre, par exemple, contact avec une colonie de fourmis, essayer de faire une espèce d'hybride qui ressemble à une fourmi, mais qui serait une espèce d'interface entre nous et les fourmis. On pourrait imaginer ça. Est-ce que peut-être une intelligence biologique ou pas a décidé de se manifester ? C'est là aussi un peu de la science-fiction, parce qu'on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. On a des manifestations qui sont des enseignements à intervalles réguliers. Les enseignements les plus récents semblent s'inquiéter de notre manière de gérer notre environnement. Et qu'en 94, le message qui a été implanté dans l'esprit de trois des gamins, c'était des forêts qui brûlaient partout dans le monde, des océans qui se vidaient de leurs poissons, des qualités de l'air qui se dégradaient, un changement climatique hors de contrôle. On y est. C'est exactement. En 2018, on a eu des feux de forêt absolument dévastateurs en Australie, en Californie, partout. On en a eu en Israël, en Turquie, en Grèce. Eh bien, figure-toi que c'est ce que j'ai pensé aussi, moi. Ouais. J'ai pensé ça aussi par rapport au Zimbabwe, là, à Real School. J'avais pensé à ça, ouais, aussi. Notre génération, enfin, en tout cas, c'est la génération 10 ans de moins que moi, là. Ouais. Tu sais, j'ai 42 ans et les enfants du Zimbabwe ont maintenant 32, 35, quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Donc, c'est cette génération-là, ouais, qu'il fallait contacter à l'époque, en fait, ça. Parce que c'est cette génération-là qui vit, enfin, nous aussi, mais je veux dire, on est un peu plus vieux, quoi. Ouais. Donc, ce cas du Zimbabwe, alors j'encourage tout le monde, ceux qui ne connaissent pas encore le cas du Zimbabwe, il y a même des documentaires en français, donc les documentaires de Stéphane Alix l'ont couvert, mais maintenant, on va avoir d'autres. Il y a deux documentaires, il y a Ariel Phenomenon, parce que l'école s'appelle Ariel School, qui se trouve à Harare, enfin, à côté de la banlieue de Harare, au Zimbabwe. Pourquoi Zimbabwe ? Mais il y a eu des cas similaires, dont un cas Broadhaven en Écosse, mais qui fait débat. Donc je vais passer assez vite dessus, je vous encourage. Et un cas aussi que moi j'avais sorti en France grâce à Réa Hernandez, je ne sais pas si tu connais du Free, là, tu sais, de l'association de l'astronaute, comment il s'appelait encore ? Bon, ouais, je ne sais plus. Et en tout cas, il s'est produit la même chose, mais exactement le cas jumeau en Colombie. Ouais, alors je sais que pour les associations, il y en avait une faite par Gordon Cooper. Il y avait, comment il s'appelle, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, là, qui était d'ailleurs un peu... McLean, c'est comment, je sais plus comment il s'appelle. Oui, celui qui était très intéressé par les ovnis, là, comment il s'appelait encore ? Bon, bref, je ne sais plus... toujours défendu, mais qui avait fait des expériences de transmission de pensée dans la capsule pendant le vol Apollo. Il avait écrit dans ses mémoires, et ses co-religionnaires qui étaient à la capsule avaient remarqué qu'il était un peu bizarre et qu'il faisait des trucs un peu dans son coin. Mais c'était aussi à l'époque où l'armée américaine faisait des tas d'essais sur la vision à distance, tous ces trucs-là. Voilà. Ça n'a pas mené... La fondation Edgar Mitchell, voilà, ça m'est revenu. C'est ça. Très,
Exactement. Et donc, celui qui dirige la fondation Edgar Mitchell, celui avec qui j'ai fait deux émissions, Ray Hernandez, m'avait parlé de ce cas, en fait. Voilà, un cas similaire au Zimbabwe, en Colombie. Ouais. Et il y a eu un autre cas qui est aussi connu, qui est plutôt bien documenté, qui est assez crédible, c'est le cas de Westall. Donc, alors, Westall, si tu le veux bien, Woody, on terminera avec ce cas, puisque nous sommes déjà pratiquement à 2h30 d'émission, hein, pratiquement. Hein. Donc, le temps passe vite, mais je pense qu'on refera d'autres émissions ensemble. Alors, vas-y, on termine avec ce cas. Alors, le cas de Westall, c'est un cas qui est assez similaire à celui du Zimbabwe. C'est une école primaire en Australie. On a un appareil de type aluminium brossé, type ovoïde sous coupe qui descend. On a une manifestation d'entité de petite taille, anthropomorphes humanoïdes qui font 1 mètre à 1 mètre 20. Visiblement, on n'a qu'un seul contacté qui a visiblement dit qu'il avait été contacté. C'est une petite fille. On a une soixantaine de témoins. Là, on a des profs, des élèves. Il y a beaucoup de vidéos d'eux qui ont été faites ces 10 dernières années. Ce sont des adultes maintenant, qui expriment, le fait que tout ce qu'ils racontent, c'est la vérité. Deux, que l'armée de l'herbe australienne a pris tout ça en main très vite et a mis une chape de plomb sur l'affaire. Que la petite qui avait, semble-t-il, été contactée, qui dit avoir reçu un message, comme d'habitude, télépathique, puisque les entités ne parlent jamais, parlent toujours dans l'esprit, par symbolique. Alors vous avez une agrégation de symboles qui se fait dans votre esprit et qui, comme un rébus, forme une sorte de message. Et assez souvent, ce sont des messages pour, en gros, qui dit on vous aime bien, mais faites quand même gaffe à ce que vous faites de la planète, parce que vous faites vraiment de la merde, là. Et que si vous continuez sur ce train, vous allez tous crever. Alors, soyez un peu plus sages, essayez de protéger la nature, parce que sans elle, vous mourrez. Et la petite fille a été littéralement escamotée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a déménagé tout de suite, elle a été menacée, elle a été retrouvée, il y a eu des enquêtes de fait, donc intéressez-vous à ce cas qui est assez intéressant. Elle a encore aujourd'hui une terreur noire de parler parce qu'elle a été vraiment menacée. Et là, dans le cas de Westall, les Australiens n'ont pas été avec le dos de la cuillère puisqu'ils ont menacé tous les enfants. Les profs, il y en a deux, trois qui ont essayé de s'émouvoir et dire dans la presse, mais attendez, on a des mecs en uniforme bleu, visiblement des mecs de l'armée de l'air, qui sont venus, mais qui nous ont traités comme de la merde. Et les mecs sont revenus en leur disant, si tu continues, on va te mettre des images pédophiles dans ton ordinateur. C'est fini de ta carrière et tout. Enfin, c'est des trucs assez sales. Et il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs témoignages de gens qui témoignent en disant « Nous, on a du mal. On a essayé de témoigner. Dès qu'on a appelé un journal, le journal nous a dit « Non, non, on a fait pression sur nous, on ne peut pas prendre notre témoignage. Enfin, » c'était voilà. Et là encore, les témoignages, tout a disparu. C'est-à-dire qu'on ne trouve rien. C'est chape de plomb encore aujourd'hui. C'est-à-dire que… Tiens, la professeure en Colombie ne veut absolument pas témoigner. Elle en a parlé comme ça en off à Ray Hernandez, tu sais, parce qu'elle était, je crois que c'est une voisine ou quelque chose comme ça, hein. C'est une connaissance à Ray Hernandez. Elle ne veut absolument pas témoigner. Pourtant, elle pourrait contacter, tu sais, des élèves, tout ça, qui ont vu, qui ont été en contact avec ces entités, si on peut dire ça comme ça. Mais elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas, elle a peur. Oui, elle a peur, bien sûr. Donc, voilà. Dans ces cas-là, j'ai lu encore une intervention de Jacques Vallée qui est très récente. Alors, Jacques Vallée n'a pas... c'est un parmi d'autres, mais il a quand même un bagage qui est énorme. Je suis désolé encore de le rappeler, de le dire, mais je suis... tu sais, il faut que je le rappelle, sauf Trinity, quoi. Trinity, c'est sa pire enquête, pour moi. Ah oui, oui, oui. Concerne, c'est clair que c'est une catastrophe ambulante, Trinity. Pour vendre du papier et se faire... Enfin, je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui le font. Aux États-Unis, c'est infernal. Ils font des compléments de retraite. Linda Moulton Howe, moi, je ne peux plus, quoi. Parce qu'au départ, elle avait fait un excellent bouquin sur les mutilations de bétail, qui est un peu parti pris. Mais l'enquête était bien menée, il y avait des flics qui avaient témoigné, des gens du FBI qui avaient témoigné, et c'était pas mal fait, quoi. Le bouquin est pas mal, et c'est un de ses premiers bouquins. Là aujourd'hui elle est dans un délire complet parce que
elle vend des conférences et qu'il faut raconter du neuf. Et donc, elle est partie à inventer des trucs. C'est un peu triste, quoi. C'est clair. Quand tu vois que ces gens-là, maintenant, parlent à Jamie Mossan, qui est le plus grand escroc d'Amérique du Sud en ufologie. Et quand tu vois des Jacques Vallée, des Linda Mountain-Howe qui parlent avec ce mec-là, qui sont copains, quoi, en quelque sorte. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, on les voit en photo. On les voit échanger, tout ça. C'est tout un... On a gris. C'est décevant, c'est triste de voir ça. Ouais. Osan, il s'est fait prendre les deux mains dans le pot de confiture avec l'affaire de la créature de Métépec, je ne me rappelle jamais. Greer, lui, il s'est fait prendre les deux mains dans le pot de confiture avec la momie de Nazca, là, ou je sais pas quoi, là, pas la momie de Nazca, la momie, le fœtus, la momifié, la créature de, je sais comment c'est, d'Atacama. Qui est visiblement. Mossan, qui est encore dans cette affaire des fausses momies du Pérou, tiens, comme par hasard. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Lucie affiliée à des protestantes sud-américaines qui sont très puissantes en Amérique du Sud et qui cherchent tous les moyens de se faire de l'oseille, y compris en sortant des trucs. Ça marche. Alors, si tu veux, l'Amérique du Sud, c'est des peuples qui sont beaucoup dans les légendes. Ils adorent ça. Les légendes, la tradition, les esprits du ciel. Et donc, quand on leur sort des histoires comme ça, ils adorent, ils achètent du papier. Il y a une énorme presse populaire en Amérique du Sud, et ils lisent beaucoup, et donc ils adorent ces trucs-là. Nous, on appellerait ça de la presse de hall de gare. Mais donc, ces gars-là, ils font de l'oseille comme ça. Et donc, pour en revenir à Vallée, toi aussi, donc, le cas de Trinity, c'est pas du tout crédible pour toi. Trinity, il est pas crédible. Et je veux dire, pourquoi aller sur un cas Trinity alors qu'il y a tant à dire sur le cas de Roswell ? Eh oui, c'est ça qui est incompréhensible de la part de Jacques Vallée. Roswell, à croire qu'il voulait créer son propre crash à lui, mais un crash qui était totalement fake, puisque c'est un canular avéré depuis 2011, puisque les témoins, les deux témoins de ce crash donc de Trinity avaient écrit un livre avec pour titre la zone 51, quoi. Enfin, tu vois, c'est d'un ridicule le truc. Rien que ça aurait dû alarmer, en fait, je sais pas, un minimum Jacques Vallée. Mais non, en fait, il s'est laissé embarquer et maintenant il ne peut plus. Il ne pourra plus jamais faire marche arrière. Ça, c'est clair. C'est impossible. Je le vois mal, j'imagine très mal Jacques Vallée faire marche arrière. C'est impossible qu'il fasse marche arrière sur ce cas-là. Impossible. Oui, après, lui, il a fait, si tu veux, là, je trouve que depuis 2-3 ans, on le voit partout, alors qu'avant, il était complètement silencieux. Alors, je crois me rappeler que tu avais essayé tout ce que tu pouvais pour l'avoir dans ton émission. Oh là là, pas qu'un peu. Tu sais, j'ai essayé, au moins 5 fois, ouais. Alors, maintenant, tu as compris. C'est-à-dire que le mec avait signé des contrats à droite à gauche pour faire des trucs, et donc il a donné des exclusivités, donc il ne pouvait pas aller partout. Bon, c'est son truc, il fait son business. Avant qu'il commence à faire ses bouquins pour faire un peu d'argent à la fin de sa vie, pourquoi pas, c'est un type qui a quand même vu passer devant ses yeux énormément de cas, pour connaître. Il est ambivalent, comme beaucoup, comme Greer. Greer qui s'est fait prendre aussi les deux mains dans le pot de confiture, qui est quasiment maintenant un gourou de secte, alors que c'est quand même lui qui avait fait le National Press Club avec tous ses premiers témoins super sérieux et tout ça. On lui doit, mais on est un peu déçu de son comportement actuel. Mais après, c'est les mecs. Mi-figue, mi-raisin avec Greer, ouais, c'est vrai. Et c'est dommage. Bon, Mossan, Mossan, c'est. Alors que là, qu'on soit bien d'accord, enfin qu'on se comprenne bien plutôt avec Jacques Vallée. Moi, je n'ai absolument, je le redis, j'ai rien contre lui. Je considère que c'est un des plus grands. Sauf qu'il faut reconnaître aussi que parfois, même les plus grands peuvent se tromper. Et c'est le cas avec Trinity. Il s'est complètement planté. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Ne veulent pas l'entendre parce que justement, c'est le plus grand. Sauf que parfois, il faut le savoir faire la part des choses. Oui, bien sûr. Tout simplement. Il y a des gens partout, alors, qui sont des croyants, qui prennent l'ufologie ou l'étude de ces cas-là comme de la para-religion. On essaye de garder la tête froide et de garder une certaine distance. Même si moi je respecte des gens comme, par exemple, qui est décédé maintenant, pas à son âme, le contre-amiral Gilles Pinon,
qui avait fait un excellent bouquin sur le miracle de Fatima, qui est tout à fait crédible, qui va d'ailleurs dans le sens de Jacques Vallée, du Jacques Vallée d'avant. Il dit, voilà, quand on regarde les témoignages des milliers de Portugais qui étaient sur la colline à Fatima quand ils ont vu le miracle, ce n'est pas le soleil qui est descendu du ciel, le soleil était encore dans le ciel, c'est un disque argenté qui ressemblait au soleil parce qu'il était circulaire et qu'il était sur la tranche, qui est descendu jusqu'à un arbre, qui s'est mis stationnaire au-dessus de l'arbre, et c'est une femme qui est apparue dans l'arbre et qui ensuite a délivré un message, et aux surprises, de manière télépathique aux enfants. Et aux enfants, comme d'habitude, à trois enfants en l'occurrence. À Harare, trois enfants, visiblement à Stal, un seul ou d'autres se sont tus. Et c'est toujours des messages de paix. C'était, alors, vous allez avoir la guerre, là, il y a les guerres froides, alors arrêtez, appuyez pas sur le bouton, sinon vous allez tous vous détruire. C'est toujours un message pour dire, faites attention à vous, protégez-vous l'humanité, ne faites pas de bêtises. Vous avez quelque chose à faire, vous avez un chemin à accomplir, et commencez pas à vous entretuer. Pas le moment. C'est toujours la génération concernée, en quelque sorte. Toujours. Et d'ailleurs, dans les messages de Fatima, il y avait, selon le clergé, selon l'Église et selon Rome, il y avait la prédiction de l'attentat contre Jean-Paul II, qui s'est réalisé. C'était par un type de l'Orient, etc. Ali Aksa, qui était turc, qui faisait partie d'une secte minéraliste turque, a essayé d'assassiner Jean-Paul II, et Jean-Paul II lui a pardonné dans sa prison, a été le voir, et a dit « je te pardonne » et tout ça. C'est plutôt une belle histoire. Mais là aussi, qu'est-ce que c'est ? On a parfois l'impression qu'on a de temps en temps des manifestations qui régulièrement descendent du ciel et qui nous disent il va falloir que vous soyez voilà, on a l'étape de la loi, alors on vous dit vous n'êtes plus des chasseurs-cueilleurs, vous allez maintenant construire des villes, vivre ensemble, mais si vous voulez vivre ensemble, il va falloir ne pas convoiter la femme du voisin parce que sinon ça va faire des embrouilles, vous n'allez pas vous voler les uns les autres parce que sinon vous n'allez jamais y arriver, et une fois que vous vivrez ensemble, bah, vous ferez une civilisation, ainsi de suite. Quand on met tous ces cas bout à bout, on a ce que Vallée appelle la théorie de l'apprentissage. C'est un message. De qui vient-il ? Du futur. On pourrait reprendre les bouquins d'Isaac Asimov, tu sais, la Fondation, la psychohistoire, etc. On peut tout imaginer, mais on serait dans l'ordre de la science-fiction. Pour l'instant, on a la chance, je le reviens dessus, peut-être en conclusion, de savoir qu'on vit aujourd'hui un moment où on sait que certains des cas qui n'étaient pas encore sortis, dont on soupçonnait l'existence parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient l'Air Force, elle travaille aux États-Unis, elle a des cas, les Anglais, ils ont des cas, les Français, ils ont des cas. Et aujourd'hui, on en a les témoignages de gens qui disent oui, oui. Et pas des c'est pas des gens qui veulent attirer la couverture à eux. On a des gens qui ont attendu toute leur vie, leur dernier jour de vie, pour témoigner. On a des gens qui sont au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, dans tous les pays, qui disent « Ok, ça existe, mais on ne sait pas encore ce que c'est vraiment. » Parce que ça dépasse nos capacités en physique, en astronomie, en astrophysique. On bute sur une barrière de notre propre évolution technologique. On n'est peut-être pas encore assez évolué pour savoir. Mais un jour, on saura, et dans l'intervalle, il va falloir archiver, recueillir les témoignages. Et là encore, faire des émissions comme toi, Olivier, comme ce que fait le GEPAN, comme ce que font Gilles Thomas, Patrick Gaïté, j'en oublie plein, je suis désolé pour eux, hein, vraiment, mais je les admire tous beaucoup. Leur sacerdoce, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un chemin de croix, sous parfois les quolibets, sous parfois, tu le disais dans une de tes émissions, quand tu fais des repas de famille, tu sais que tu vas prendre, parce que tu commences à en parler. Là, tu vois, on est au niveau, vas-y, je vais te mettre bouille à la sauce tomate dans le slip, quoi. Mais c'est pas, on n'est plus dans c'est pas un sujet léger. Je pense que on a suffisamment aujourd'hui de témoignages, de traces, de photos, de vidéos, et des militaires, parce qu'ils ont du matériel un peu plus sophistiqué, qui travaillent sur des bandes de fréquences différentes des appareils civils, qui n'ont pas les mêmes filtres informatiques sur les radars, donc ils sont plus larges pour trouver des trucs qui ne seraient pas visibles autrement. Est-ce qu'on est en face d'une réalité qui jusqu'ici nous échappe ? C'est possible. Moi, j'ai eu beaucoup de chats dans ma vie. Un chat voit dans un spectre lumineux que toi, tu ne verras jamais. C'est-à-dire que le chat, la nuit, voit tout. Il voit quasiment dans l'infrarouge, le chat. Et toi, tu as un spectre lumineux limité, dans la lumière visible. C'est comme si, par exemple, l'humain, c'était Hubble,
Et les chats et les chiens, c'est le James Webb télescope. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un bon exemple. Mmh. Il va buter contre un mur et il va taper une il va se hérisser. Il va, parce qu'il voit, il y a la pièce est vide, le mur est blanc, il n'y a rien. Et tout d'un coup, il va se mettre à faire comme s'il voyait un fantôme. Mais peut-être qu'il voit quelque chose. Quand tu prends des jumelles infrarouges, moi j'ai fait à l'armée, tu regardes le ciel, il n'y a rien dans le ciel, mais tu vas voir des tas de boules se balader, des trucs. Les gens qui ont fait le fameux col de Vence, quand ils ont avec des jumelles infrarouges, tu vas voir des trucs. Parce qu'il y a des trucs qui sont parfois, oui, tu peux avoir des sphères de température qui changent, des machins, des vortex, et des trucs qui vont tout d'un coup faire de la chaleur, et donc à l'infrarouge, tu vas le voir. C'est pas du tout le même univers, mais cet univers-là, avec tes yeux, tu le verras pas. Parce que pas plus tard qu'hier, mon chat m'a fait ça. Elle a regardé dans le vide, tu sais, donc ma Chanel, hein. La mascotte du faux conscience, comme j'aime l'appeler, parce qu'elle est noire, avec une petite tache blanche, tu sais, un peu comme le logo du faux conscience. Voilà, oui, sur le coup, hein. C'est la tache blanche. Voilà, j'avais un petit chat de gouttière que j'avais récupéré aussi, et ça veut dire qu'en fait, ce sont les chats noirs qui portent bonheur. Ah bah oui, ça... Un ange et leur a donné... Ça, je n'en doute pas une seconde qu'elle porte bonheur, cette chatte-là. Bref, c'est un membre de la famille, c'est comme ma fille. À part entière. En tout cas, elle regardait, pas plus tard qu'hier, elle regardait dans le vide, justement, et elle fixait quelque chose. Et du coup, j'ai regardé, bon, bah, évidemment, il n'y avait rien du tout, quoi, hein. Elle regardait vers le radiateur, mais elle fixait quelque chose. Donc, comme tu dis, si ça se trouve, elle voit quelque chose dans l'infrarouge, quelque chose, ouais, c'est possible. Hein. C'est tout à fait probable, hein. C'est même certain, quoi. Chaque année, on a des cas de chiens qui ont été abandonnés pendant les vacances, qui traversent la moitié de la France pour retrouver leur maison. Sans carte, oui. Rien. On ne sait pas. Oui, je sais tout ça. Hein. Je sais tout ça. Pareil. Ouais, c'est fou, quoi. Un chat à 300 km, il peut traverser et vous pouvez le voir, 2 ans après, il va revenir. Ça, oui. C'est pas faire. On a besoin de technologie pour se faire. On ne sait pas comment. Enfin, on sait, par exemple, les pigeons voyageurs qui vont partir d'Afrique et toujours arriver au même endroit, on sait que, par exemple, dans leur bec, la petite bosse qu'ils ont sur le bec, c'est de la ferrite. C'est un aimant naturel. Et donc, ils ont des terminaisons nerveuses dans le cerveau qui cartographient leur environnement en faisant des points comme des points de marquage sur une carte. Et donc, ils se rappellent du même chemin tout le temps. Mais ils ont atavique, ça veut dire qu'ils l'ont de naissance. Nous, on ne peut pas avoir ça de manière atavique. Un bébé humain, tu le mets devant une gamelle d'eau et une gamelle de croquettes, il va mourir de faim. C'est pas pareil. Ouais. Bébé chien, il va tout de suite savoir manger. Parce que c'est atavique. Il l'apprend, c'est inné. Nous, c'est acquis. On est différents. Et ben, peut-être qu'un jour, grâce à la technologie, ce qui semble être de plus le cas, on va avoir des réponses sur une partie de notre environnement qui nous échappe. Et ce jour-là, comme pour Galilée, Copernic et d'autres, on aura peut-être... des gens qui diront, excusez-nous, on riait un peu avant, mais non, vraiment. Parce qu'on va se rendre compte que finalement, c'est des choses qui existent. Est-ce que ça changera notre perception de l'environnement? Probablement. Est-ce que ça changera notre manière d'être, notre politique, etc.? J'y crois pas une seconde. Moi, le jour où il y aura peut-être le président de la République qui aura à la télé, on dira, oui, c'est bon, donc on est visité. Bon, ça va faire les gros titres pendant une semaine, puis après, les gens, ils vont savoir combien d'impôts ils vont payer, combien il faut faire pour le chèque de la cantine du petit. Enfin, c'est l'humain. Pendant les années 60, ça faisait beaucoup. Bon. Et encore aujourd'hui, il y a des philosophes qui conseillent les politiques mondiaux, qui disent ce genre de choses pourrait challenger l'idée qu'on a de la religion, parce que si effectivement une partie de ce que nous, on a interprété comme de la religion, c'est quelque chose d'autre qui nous donne des conseils pour bâtir une civilisation et en fait presque faire un tutorat sur une civilisation naissante et encore balbutiante comme la civilisation humaine, ça peut-être, oui, challenger l'équilibre des gens qui tiennent par la croyance et par la religion telle qu'elle est connue maintenant. Et peut-être que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui mènera à tout autre chose ou à rien. Mais d'années, on commence quand même à avoir des munitions et de plus en plus sérieuses. Parce que ces munitions-là, ce qui est fou, c'est que les États les ont, mais ils ne les avaient jamais sorties. Et là, ça commence à craquer.
Et ça commence à bouger, ça parle de plus en plus, hein, mais souhaitons quand même que ce ne soit pas accompagné par de la désinformation hein, de la part de la Navy, de la part du gouvernement américain, ce qui est fort probable. Oui. En tout cas, Pour terminer, alors vas-y. On a la marine américaine qui s'est... qui a fait une annonce comme quoi ils avaient encore une fois dans le golfe du Mexique été survolés par des dizaines de drones. Sauf là, le Pentagone est sorti du bois en disant que c'était vraiment les Chinois puisqu'ils ont identifié une flotte de chalutiers chinois. Alors on sait que les Chinois en fait ont intégré des chalutiers qui n'en sont pas, qui font partie de la marine chinoise et qui sont chalutiers qui sont sous statut civil. Donc en fait, on peut pas les zoner. Et ces chalutiers balancent des drones pour en fait regarder les manœuvres américaines, comment ils font avec leur marine. Voilà, parce qu'ils ont rattrapé leur retard en termes de tactique et tout c'est ça. C'est pas étonnant, c'est pas du tout étonnant, hein. c'est logique. Hein. Ouais. C'est bonne guerre. Mais là, les Américains sont un peu désarmés, parce qu'en théorie, ils peuvent abattre les drones. On ne sait pas encore bien faire. On a des armes maintenant pour le faire, mais on a du mal. Mais on ne peut pas raisonner des chalutiers. C'est pas, les droits de la mer ne l'autorisent pas. Donc, les Chinois savent bien faire. On a quelques survols, nous, dans la centrale, qui ont été faits par eux, on le sait aujourd'hui. Donc, bon, voilà, il faut s'y séparer. Mais on a parfois des cas. Je pense même que cette vague de drovnis, là, tu sais, fin 2014, début 2015, je suis quasi certain que c'était les Russes en prévision de ce qui se passe maintenant. Ah, tu veux dire au-dessus des centrales nucléaires françaises ? Ah oui, 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 par rapport. Si on fait le lien avec ce qui se passe maintenant, je suis convaincu que c'était les Russes. Alors, moi, j'en ai parlé à l'époque avec des gens qui étaient encore... convaincu, disons à... Ils étaient... je dirais pas à 100%, parce que je pense aussi qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu des choses qui ne venaient pas de ce monde. Peut-être, hein, peut-être. Mais là-dessus, bon, j'ai pas la preuve. Hein. Il y a eu des cas comme des centrales dans l'Est de la France, où on a eu plusieurs suspects, les Chinois, les Russes et les Turcs, puisqu'il se rappelle, à l'époque, il y avait une très, très grosse tension avec la Turquie, et que les Turcs sont spécialistes des drones, hein, quand même. Hein, donc, ils ont une énorme... Dogan en Allemagne, il suffit juste de traverser la frontière pour faire voler 2-3 drones et envoyer un message au gouvernement français. Bon, après, c'est ce qu'on appelle de la guerre, tu sais, comme du billard à trois bandes. Hein. C'est des petites actions. Les services de renseignement sont tout à fait au courant. Bon, après, on gueule un peu avec la voie diplomatique. Quoi. On va demander à l'ambassadeur de France à Ankara, d'ailleurs, le ministère de la Défense, arrêtez vos conneries, c'est bon. Eh oui, eh oui. Bon, alors nous arrivons au terme de cette émission dans laquelle tu as été excellent. Franchement, bravo, si c'est une première pour toi, car tu étais très bon en ufologie. Merci. Tu es très bon, très très bon en ufologie, mais aussi en aviation et en armement. On aura remarqué ça. Hein. Oui, mais c'est parfois lié. Eh oui, c'est ce qu'on a remarqué ce soir avec ce très bel exposé. Écoute, je pense, je ne sais pas, c'était ta première ce soir, franchement ? Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, je pense que je vais faire de toi une vedette. Merci. J'aimerais également rappeler que cette émission est en accès libre grâce aux dons ou à la souscription en devenant membre de la chaîne, ce qui est très important pour que ce programme puisse exister. Donc, je compte sur vous, soit en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de la vidéo ou bien en cliquant sur le lien PayPal sous la vidéo et si possible en cochant la petite case « Faire un don mensuel », ce qui permettra à votre émission de continuer sereinement en toute quiétude. Voilà, merci encore à toi, Woody. Merci. Yeah. Et merci. J'espère, vraiment, je suis certain qu'on va refaire une émission parce que tu as tant à dire, tu as tellement de choses à raconter, à dire, qu'il faut absolument qu'on refasse une émission ensemble. Merci. Merci. Et merci à tes spectateurs, auditeurs, tous les gens qui suivent ta chaîne. C'est toujours intéressant. Et c'est en fait en écoutant les divers intervenants qu'en faisant la somme de tout, on arrive à se faire une idée d'ensemble. Et c'est le but. C'est le but de l'émission. Tout à fait. Voilà. Donc merci à toi et je te dis à bientôt. Merci Olivier. Merci.